vous êtes là. Vous êtes là. Ça alors, qu'est-ce que... C'est un heureux hasard. Bonjour à tous. Salut mes gourmands. Joyeux Noël. C'est Noël avant l'heure. Parce qu'après moi, j'ai pas que ça à faire quand même. Je vais vraiment passer Noël avec ma mif. Je peux pas faire Noël le 24. Mais on est ensemble quand même, un petit peu avant l'heure. J'espère que vous allez bien. Regardez, on est dans mon petit canapé, dans mon petit chez-moi. Alors à la base, j'avais un petit livre avec une feuille. Voilà, regardez, j'ai mon petit livre, j'étais en train de lire mon petit bouquin. Tranquillou, j'espère que vous allez bien. On va recevoir un petit peu les invités petit à petit. Voilà, ils vont nous rejoindre. C'est un petit peu sympa. Vous l'avez peut-être vu sur l'annonce, Léna n'est pas là. Léna, elle est en full situation en ce moment. Je crois qu'elle est à Bruxelles ou je ne sais pas où. Peut-être qu'elle fait un feat avec Damso. Ça, il va falloir se renseigner sur les plateformes de streaming. Je n'ai pas toutes les infos. Elle n'est pas là. Elle s'excuse, mais elle est là avec le cœur. The art. Mais ce n'est pas un problème. D'autres personnes seront là. Vous les avez peut-être vues. Je ne fais pas spoil pour ceux qui n'ont pas compris qui sera là. Mais on a une autre personne qui sera là. Et je suis pas peu fier de la recevoir, cette personne, aujourd'hui. De toute façon, ils vont tous arriver un petit peu au compte-gouttes, un par un. On va se retrouver tous ici, autour du salon, tranquillou bilou. Et ensuite, on passera à table. On a un petit menu préparé. C'est exceptionnel. Faut savoir un truc, c'est que ce live, il a été rendu possible grâce aux fruits et légumes. Voilà, jamais trop, vous l'avez vu, je le mettais à chaque fois, le hashtag jamais trop, c'est partenaire ce soir, pour ceux qui me suivent assidûment, vous le savez, je l'avais dit chez le frérot Domingo, je mange pas de légumes, ou alors très peu, j'ai du mal. Aujourd'hui, ils veulent me faire comprendre que des légumes, il y en a plein, et que je vais forcément trouver mon bonheur, et pour ça, c'est un chef, Guillaume Chantiez, qui sera avec nous, je crois que ça se dit pas, mais c'est Noël, j'ai le droit, qui sera avec nous pour essayer de nous faire goûter plein de saveurs, plein de petits trucs, j'ai hâte les amis. Et vous n'avez pas vu le reste, parce que là on est tranquillou dans le salon, mais à côté, la petite table, c'est pas piqué des hannetons, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Autre truc aussi, je crois que Dwagby est encore en live. Voilà, Dwagby m'a dit, non mon gars, je serai à l'heure, t'inquiète de rien mon pote, mon live je l'ai avancé, il a lancé son live il y a 10 minutes, il arrivera quand il arrivera, décidément ce n'est pas un gourmand, peut-être qu'il va rater l'entrée. Peut-être qu'il va... Oui ! J'arrive ! Ah bah ça alors ! Ça alors ! Qui est là ? Mais non, mais né ! Mon gars ! Entrez. Yo, bro ! What's up, man ? Salut, mon gars ! Salut, la table ! C'est Télème, mon gars ! C'est Télème ! Il va nous vendre un crédit ! La famille, si vous avez besoin de crédit, paiement plusieurs fois, paiement échelonné, besoin d'acheter nous. D'être assuré. Vous allez voir lui. Assuré. Mais non, mais c'est... Je parlais pas à toi, mon gars. Ah, ok. Il est bien fait, ton cadeau, mon gars. Venez vous installer, mettez vos cadeaux sous le sapin. C'est chaleureux ici, dis donc. Putain, mais gros. Quoi coupé... Non. Il a dit quoi, là? Qu'est-ce qu'il a dit, frère, en vrai, j'ai oublié de mettre mon cadeau. Je l'ai pas mis sous le sapin, j'ai oublié. Bah, ce serait pas mal. Du coup, on pose près du sapin. Vas-y, nous, on met ça ici, là. Mais gros, tu perds des morceaux. C'est à moi ? T'as perdu un morceau de cadeau ? Mais regarde, mais non. Gros, c'est quoi ce cadeau là ? Je vais mettre là. Ah, mais tu vas voir. C'est un vrai cadeau, mais non, j'avoue. Mais frère, on s'assoit. Parce que oui, je sais pas si je l'ai. Bah, asseyez-vous où vous voulez. Hein. Parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais à la fin du live, on va avoir un secret de Santa. Donc j'espère juste que j'ai pas pris Grim, la gueule de ton cadeau, frère. Non, frère, j'ai plus rien que la gueule de ton cadeau. C'est... Ah, vous savez que ce soir, on va manger. Hein. Guillaume Sanchez, les gars, étoilé Michelin. C'est lui qui va nous faire à manger. Bah, il y a au moins entrée, plat et dessert. Entrée, je crois qu'il y a deux entrées. Ouais. Un plat, un dessert. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'après... Oui, j'arrive. Entrée. On est en train de parler, là. Entrée. Parce qu'après, j'irai voir dans la cuisine, on va vous présenter un peu... C'est le gars qui est sur TikTok. Mais non. Wesh. Mais non. Non. Mais non. Attends, non, dans le sens non ou... Non. 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 Mais non. Aïe. Salut. Bon, Max, ouais, attends, on a pas là, frérot. Donc attends, on refait Manas, mon frérot qui est là. C'est long, la où tu veux, frérot. C'est vrai que certains... Parce que là, ça fait trop si je me mets là. C'est super. Tu comptes pas tout, Maxou. Où tu veux, mon pote. Et oui, certains l'ont vu, certains l'ont pas vu. C'est Manas qui est avec nous ce soir. Je suis trop content d'être avec toi, frérot. Merci. Avec Arnaud Tamer, Florent Père. Arrête de faire ça. Arthur. Et Grim, c'était qui? C'est Sadoumbia. Et toi, Manas, c'était qui déjà? Léna, aussi. Non. Dans un cadre vendredi, cadreur. J'ai permis. J'ai pas les restes. T'es le pianiste, là. T'es le cadreur. Je suis le cadreur. C'est marrant, ça. T'es méchant, ça. Ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai, il est cadreur. C'est vrai, il est cadreur. Mais parce que c'est son taf. Non, pas forcément. Bah, c'est vrai que t'es le seul à avoir un vrai taf ici, des vraies compétences. Moi, je suis taf, les gars. Streamer, c'est plus dur que maçon.
Oula. Le burn-out des streamers, ouais. Voilà, si vous voulez en parler. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Moi, je pense que Mana, c'était Matt Pokora ce soir. Matt Po ? Oui, Matt Po. Entrez ! Tu sais, c'est une rêve par rapport à la télé. Je l'ai en vrai. Tu l'as. Non, c'est parce qu'on avait compris la blague. C'est qui ? Ouais, il prend du temps là. Ah bah oui. Non, regarde, il y a un sapin fil en face. Ah oui, donc, on avait demandé de ramener un cadeau, pas de faire. Franchement, il a fait les poubelles. C'est dans une poubelle, ton cadeau, frère. Il a chopé le cadeau là. Franchement, je me suis donné de fou. Tu t'es donné de fou ? Vraiment, il s'est donné de fou. Il a mis une demi-journée pour ça. C'est un sac archi-cher tout petit. Oui. Non, vu comment il a jeté, frère. Je tiens à le dire, Magla, t'es magnifique. C'est chouette, là, c'est bien. Devant la gueule, toi. Magla. Après live. Oh, je suis le coq de la soirée, là. Eh, les frères, je suis content de vous retrouver tous, là. Bah, ça fait plaisir que tu sois content. Ouais, il manque que l'autre connard, mais vas-y, il est encore en live. Ah, oh, parlez pas de moi, quand le connard, entrez. T'as vraiment entendu ce qu'il en manque. Il manquait deux connards. Oh, Gentleman, regarde, il manque juste mon cadeau. Normalement, Doig, il arrive. Il est pas en live. On essaie de défendre. Là. On a tous vu la notif. Bah non, mais en fait, vous êtes tous rentrés en duo et bah du coup, moi, je suis rentré solo. C'est fou de prévoir un live sur un live. Oui. Oui, il a dit. Frérot, pas de soucis, je serai là. En plus, à la base, pour vous dire la vérité, quand je dis. Mais tu sais pourquoi ? Parce qu'il a la Doig téléportation. Il a la Doig télé. C'est pour aller caster. C'est les motards. Voilà. C'est le motard. Mais non, mais du coup, c'est fou de voir que j'étais gamin là. Du coup, il serait déjà là. Non, mais il a pas fini encore. Ah, tu penses c'est pour ça ? Non, c'est pour ça. Ça mais tu sais qu'en plus, il m'a dit non, mais en fait, j'ai un live un peu avant, mais franchement, t'inquiète, à 19h. La première fois, je dis 19h, j'ai fini, taxi moto, je serai là. Après, il nous a dit. T'inquiète, tous les lundis, il me dit à 18h30, je suis là. Après. Les gars, on commence à 20h20 aujourd'hui, désolé. C'est chiant. C'est fou. Après, il a dit bon, taxi, envoie-le à 20h. Je dis mais frérot, 20h, c'est le début du live. Ok, 19h50, taxi moto, et je serai là à l'heure. Et là, je vois quoi, il est en live il y a 10 minutes. Non, mais là, je te jure, là, je prends mon téléphone. Il était bien en train de rigoler. Vous voulez que je vous dise vraiment, genre là, la semaine dernière, on a fait un live. En plus, c'était une OP et tout. Non, c'est 20h. Il arrive à 23h. Mais Quoi, c'est vrai. Comment ça, 23h? Et le gros, il a pas sauté pour le dessert. Ben non, en gros, c'était une soirée où on faisait poker, etc. Il y a une petite flottante, un truc là. Vous pouvez commencer, j'arrive dans 10-20 minutes. Mais il faisait quoi? En plus, on l'a pas remplacé, parce que du coup, nous, on se dit, bah, il arrive à 20h20. Les gars, il y a popcorn. Il y a popcorn en ce moment? On va faire une vidéo. Ah non, mais attends, en vrai, c'était. Mais non, regarde. Je fais une watch party. Sur la télé, on a une watch party. Tu sais qu'en plus, ils sont en bas, popcorn, on peut y aller. Non. Ils sont dans l'autre bâtiment. Ah non, ils sont dans l'autre bâtiment. Après, c'est archi drôle. Après, ça demande quoi ? 5 minutes ? C'est vraiment long. Tu sais qu'ils sont dans l'autre bâtiment. Tu sais qu'ils sont pas longs. Non, ça passe, vraiment, ça passe. Ça passe. Si on continue, mais attends. Les gars, on arrive, on traverse les codes, on va saboter Popcorn maintenant. Mais on monte, on fait quoi ? Et on le frappe, genre. On mange tous les popcorn. On tabasse Domingo, on revient. Oui. Vas-y. Ouais, c'est bien. Ça, c'est l'esprit de Noël. On le décoiffe. C'est ça qu'on veut. On le décoiffe, on fait pas ça. Attends, je vais parler dans GTA. Non, il y a plus popcorn à manger. Avec les dents, tu vas manger comment ? Non, mais t'as où ? Il dit dans GTRP, il dit pas dans la vraie vie, la team. Non, il dit pas en IRL. Ouais, si, bien sûr. Dans Real Life, c'est comme Half-Life, c'est un jeu vidéo encore une fois. Les amis, vous savez quoi ? Il n'y a pas de Doig, on passe à table. Je pense qu'il va rater l'entrée. Au pire, il va vraiment être dégoûté, ça. Oui. Ouais. Si on commence à manger sans lui, il va nous en vouloir. Frère, il est encore en live, le frérot. Non, mais ça, il m'a dit, moi, je passe en live. Ça fait combien de temps qu'il est en live ? 2 heures. Vas-y, regarde. Il est en live. Regardez, écoutez. Toi,
quoi reste ici. Ah, mais c'est Karl ça. Il est en live. Et là, ah, mais il est avec lui en plus. Mais il s'en bat les couilles, il est concentré, il est focus de fou. Non, mais là, j'ai pas l'impression que c'est une fin de live là actuellement. Oui, non, non, mais là, j'ai lancé tout à l'heure, ils sont en train de s'amuser là. Il est en pleine quête d'un jeu. Là, il est en solo versus squad là. C'était un live. Je pense que tu devrais l'appeler. C'était un live avec une install pupitre, jeu OP. Évidemment que ça se finit pas à 20h, frère. Oh, appelle-le. C'est certain. Mais non, le pauvre. Appelle-le. Il y a un choix, c'est soit Popcorn, soit Appel Dwag. En vrai, tu veux l'appeler. Tabas Domingo ou Tabas Dwag. Vas-y, on l'appelle. Dwag, on ne pourra pas, mais. Vas-y, on l'appelle. Dwag, il nous encule, je pense. Il va nous crier dessus, on va tomber par terre. Ah, attends, j'aurais voulu voir son live s'il regarde son tel. Imagine, il regarde son tel, il coupe. Il snob, c'est de ouf. 100% le tel, il est en régie, il l'a même pas sur lui. Appelle Carlito, par contre, si on peut appeler Carlito. Voilà, je balance, il l'a tout le temps sur lui. Appelle Raph. Non, je peux pas appeler Raph, les gars. J'appelle Raph par là. Non, vous savez pourquoi? Parce que t'as pas appelé McFly. Parce que j'ai pas. Ah, il me rappelle. Oh. Qui c'est, monsieur? Ralentissez, on va beaucoup trop vite. Allô. Dwag. Frérot, on est devant ton live là. On voit que t'es pas en moto là. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous arrêter s'il vous plaît? Frérot. En fait, on voit ton live là actuellement, t'es sur un jeu là. Dwag, t'es en solo versus squad là. Frérot, on te voit un peu à travers la fenêtre, on te voit un peu à travers la plante, derrière la plante, on te voit là. Il ment alors qu'il est en live. Dwag, je l'aurais raconté pour le 23h, donc là, faut que tu nous dises une heure. Alors attends, c'est impossible. Mais 10 minutes, c'est impossible. T'as vraiment son cadavre qui me suit? Tu vas rater l'entrée. Bah le plat aussi, en dessert, le dessert. Ok, vas-y, dans 10 minutes, vas-y. Il est 22, donc à 32, t'es là. Mais jamais de la vie. Impossible. 10 minutes, il est dans ses locaux. Même avant 32. Mais il n'est pas fini le live. Vas-y, même s'il part tout de suite, il n'y a aucun feu rouge, il n'y a aucune voiture, aucune circulation. Le colombe le ballon, il est dans ses trucs. En fait, moi je pensais que c'était un live solo, en fait non, il y a tout le monde. Non mais il parle l'oiseau. Mais le Roubaix. Non, mais ce que je disais, c'est que même en volant en mode colombe, tu ne viens pas. C'est ça que je voulais dire. Bah oui. C'est pas du tout. C'est quoi ton outfit là? J'ai pas toutes les marques, mais c'est Outfit of the Day. Et vous? C'est la boutique officielle. C'est, ça, c'est la boutique officielle qui a fait tout. Sachez. Donc j'espère que vous avez kiffé. Non, les gars, on avait un débat dans le chat, genre, parce que du coup, le flow de Grimm est pas remis en question. On a un débat. Est-ce que vous trouvez que Maxime est plus stylé que Grimm, là, maintenant, tout de suite, ou non? Bah, moi, je trouve que c'est très stylé, là, comme il est Grimm. Ah ouais, moi, je trouve différent. En fait, c'est différent. Franchement, lève-toi. Mais c'est différent. C'est pas le même. C'est pas le même. En mode flow. Le style de Grimm, c'est pas un style qui irait chez tout le monde. Ça lui va super bien à lui. Il le porte très bien. Le jean de Grimm, derrière, ça fait Noël. Très bon. Tourne-toi. Montre les poches. Je préfère le flow de Grimm. Ouais, je vois de Grimm. Je préfère Grimm. Moi, j'aime bien le côté la cravate avec le bomber. La cravate avec le Teddy, oui, et tout, c'est très stylé. Bon, ok, j'étais sans zéro là. Merci. J'étais sans zéro là, c'est. Bon, venez, allez, on passe à table. On passe à table parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu l'autre côté. Allez, on pense. Let's go. Ouais. On va vous montrer l'autre côté. Pour manger, on de fou là. Ah, on avait déjà vu, mais c'est cool. Ah, la découverte. Ah, la découverte, on n'avait jamais vu. Merci Maxime. Eh oui, vous avez jamais vu. C'est toujours cool de redécouvrir. On mange quoi? À table! C'est pas ça, italien! Ma che cazzo! Oh, t'as un discours? Oh! J'ai un petit toast! Oh! Oh. Alors, merci Maxime pour cette soirée que tu nous offres. C'est le plan est là-bas. C'est là le plan? Ouais. Merci, ouais, mais je parle à Maxime. T'as vu comme t'es beau sur le plan? Je passe pas au live, mais vas-y. Je passe bien? T'as vu? Est-ce que t'as mis le petit effet un petit peu. Ouais, le petit glow derrière là. C'est très stylé. Maxime, merci pour cette invitation. Merci pour ce que tu nous as offert cette année en termes de divertissement. Suceur! À quand le décor penché? Wesh! Wow. T'es obligé de faire ça. J'ai pas fait exprès. T'es obligé de casser. J'ai pas fait exprès. Ça pas à nous. C'est pas vous? C'est pas à nous. Donc on peut casser? C'est pas à nous? Non, justement. Attends, c'est prêté. Ah, c'est la déco? Tout est prêté. Par pitié. Putain, c'est qui pitié? C'est qui pitié? Par loueur? C'est prêté par pitié. Non, mais c'est vraiment, tu veux écrire ça et tout? Oui, bah oui. Ouais, c'est très sympa. Maxime, je peux poser une question? Oui, Maglouche. C'est toi qui as fait la disposition des gens de part et d'autre? Ça dépend en fonction de ta réponse, je te dirais. Je pose juste la question comme ça, je trouve qu'on est disposé d'une certaine manière avec un certain thème. Genre métis et blanc, quoi. Ouais, blanc, tu blanc et Afrique, quoi. Ah, et moi, vu que je suis moitié algérien, moitié français, plutôt intégré, donc c'est milieu. C'est pour ça. Bon, les gars, je suis un peu dans les deux teams. Ma mère, enfin. Oui, c'est vrai. Bah, métis, mélange de couleurs. T'es si au gentleman, donc ouais, ça te ramène un peu de leur côté. Pas mal, j'ai bien aimé. Aïe, aïe, aïe. Les frères. T'as vu, par contre, j'ai entamé, t'as vu, on a fait disparité un peu, t'as vu dans les CEO. T'as vu? Comme le kebab de Beyaz. C'est pas la ref. Qui l'a? Personne l'a. Il y a Beyaz, le joueur d'absence, j'ai même pas entendu. Ouais, j'ai pas compris. Quoi? Il a disparu dans les joueurs aussi.
Ok, ok. J'ai suivi pour dire je suis à l'équipe et pour toi. Mais je crois qu'il a dit un truc raciste là, non? Je crois, ouais. Mais non, tu sais, il y avait une disparité dans le jeu. On est tous d'accord pour dire que Grimm est raciste, il n'y aura pas de nouveauté ce soir. C'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est raciste. Alors, les gars, derrière votre. Alors, ne fouillez pas dedans, mais derrière chacune de vos chaises, il y a une petite chaussette. Dans cette chaussette, c'est comme l'année dernière, il y a un petit. Pardon. Il y a du foot. Il y a une petite anecdote qui appartient à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut regarder dans sa chaussette? Comme ça, on fait un exemple, comme ça vous l'avez. Comme ça, vous avez un exemple. Vas-y, Gotha, tu commences. Donc là, dans ta chaussette. Mais là, il n'y a pas de trappe, il n'y a pas une araignée. Il n'y a pas de trappe. Il y a une anecdote qui appartient à quelqu'un. Première des choses, devinez à qui elle appartient. C'est d'emblée. Et ensuite, il y en a 8. Hein. Et on raconte l'anecdote et tout après? Sympa ça, hein. On a pris une anecdote, c'est ton truc. C'est pas un happening en vrai. C'est quoi, c'est ça? C'est ton truc ça. Merci mon gars. Casse pas de table là. Ok. Vous avez bon. Alors attendez. Là, attendez, ce que j'ai là, c'est genre du coup l'anecdote que quelqu'un a raconté et on va devoir trouver qui c'est. Devoir trouver qui c'est, après elle nous la racontera. Ok, parce que c'était pas du tout mon anecdote. Non, je spoil. Ah non. Oh non, oui, chacun n'a pas son anecdote. J'imagine la merde. Ah ouais, non, j'étais en mode, ouais, Elise, elle a pas envoyé le bon truc, je crois. Non, c'est pas. Ok. Vous êtes prêts? J'ai dû faire Mister Univers pour ne pas mettre mal à l'aise un hypnotiseur. Quoi? Ah mais oui. Bah, je sais. Je sais aussi, ouais. Mais il nous l'a raconté en off, quoi. Ah, ouais. Ok, attends, donc venez, attends. Donc c'est pas toi, pas toi. C'est bizarre. Après, c'est peut-être bluff. C'est toi. Déjà, Non, mais les frères, il y a que... En fait, elle s'est cramée, il y a que toi pour faire ça. Non, j'ai appris que c'était toi, mais comme vous êtes... Des données, bah sûr, ça va être toi. Et juste avant de te laisser raconter, les gars, non seulement on a la preuve vidéo, on a la preuve vidéo, et malheureusement j'étais pas là ce jour-là, mais je m'en rappelle. Oui. Elle va te montrer ou pas? Oui. Ah, je suis génial, ça. Mais avant ta pause, mais du coup, t'as toutes les anecdotes? Non, mais celle-là, oui, parce que c'est celle des lions, c'est mon meilleur pote. Mais il nous l'a raconté encore cet été? Bah oui, mais on a pas vu la vidéo. On a pas vu la vidéo. 35 minutes à nous la raconter en détail. Vous êtes repartis pour 35 minutes, tes copains ou pas? Bon, Elior, vas-y. Vas-y, raconte. C'était. S'en fout, c'était à genre 8 ans, je dis. Et il y avait un hypnotiseur qui tournait un petit peu dans Bastia. Et il faisait des soirées hypnotiseur. C'est quoi ce guetteur? Je sais, frère, c'était les activités à cet âge-là. Et du coup. Mais je peux me lever. Allez, toi, tu dors. Et du coup, non, et un soir, j'y vais, et à cette époque-là, je suis. Alors, c'est un truc de fou parce que. À cette époque-là, je suis en couple, et j'ai avec trois amis à moi, et on va à la soirée hypnose, et moi, je voulais absolument faire partie de ceux qui allaient se faire hypnotiser. À l'époque, t'étais en couple, c'est ça qui est fou? Ouais, c'est ça qui est fou. C'est impressionnant, c'est fou parce que c'était pas grave, j'étais en couple. Et donc, je me retrouve parmi les gens qui se font hypnotiser, et à un moment, je me rends compte que je suis pas du tout réceptif. Et je me dis, non, je peux pas lui faire ça, là. On est devant tout le restaurant, ça fait un quart d'heure que je suis là. Je peux pas d'un coup me lever et faire oh, « ça marche pas ton truc ». Et donc… J'aurais fait ça 100%. Ah non. Mais en fait, les gens normaux font ça, ils sont en mode « bah moi ça a pas marché, ça a pas pris ». En fait, ça révèle en lui une humanité de fou quand même. C'est ça, oui, moi je me dis « vas-y, je sais pas, il voulait juste flex, il y a pas d'humanité, il voulait juste flex, c'est-à-dire… » Oui. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que du coup, tu… En fait, par exemple, tu vois, on est énormément à… être sceptique de l'hypnose de base, tu vois. Moi, tant que je me ferais pas hypnotiser, je pourrais pas y croire à 100%. Et je sais que ça existe quand même, tu vois, mais je pourrais pas y croire à 100%. Mais jamais de la vie, du coup, si quelqu'un me fait ça, je suis en mode, allez, on arnaque. Allez, ouais, c'est bon, ça y est, ça marche. Ouais, tu vois, genre. Lui, ça. Non, mais tu vois, du coup, je me retrouve dans la situation où je vois que. Mais c'est lui en plus. Du coup, l'hypnotiseur, il me. Ouais, c'est vrai, ouais. J'ai pas compris. Non, en gros, il a grave débité en mode, moi, hypnotiseur, je suis du mal, t'as fait, ok. Et du coup, l'hypnotiseur, il m'a... Non, mais je continue, mais j'entends ce qu'il m'a dit, frère. Parce qu'on se connaît pas si bien que ça, okay. Tu vois, on s'est vu au GP et tout, mais tu vois, c'est... Ouais, 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 bah, il m'a juste fait chier pendant 3 jours avec un jeu que j'ai pas compris, on en parlera plus tard. Là, j'ai un verre. Et voilà, c'est je tout. Je le donne à... Ouais, voilà, c'est bon. Ah, ouais, putain. Le jeu était fou, le jeu était fou. Tu m'as rendu tout oublié, j'ai rendu fou. Arrête de parler. Continue. Je continue, merci. Et du coup, je me retrouve dans la situation où les 8 autres sont réceptifs, moi non. Et moi non, et je me dis, bah vas-y, non, je vais faire l'heure d'hypnose. Ah non, tu veux faire tomber tout le monde. Ouais, frère. Bon, je fais l'heure d'hypnose, fake. Je joue, jeu d'acteur, vas-y, tout ce qu'il me demande, je fais, néana, je fais tout à fond, tout ça. Et il voit du coup que je suis trop réceptif, et il me garde jusqu'à la fin. Oh, et les autres, ils les renvoient petit à petit en mode, allez, réveille-toi, réveille-toi, et tourne à ta table. Mais moi, il y a un truc que je me demande, c'est je me dis, si le mec c'était un charlatan, genre il est pas fort. Il a dû se dire, wesh, en fait, je suis vraiment hypnotiseur. Mais en fait, ça marche. Ça marche. Mais quoi? Oui, et à la fois non, parce que les autres, ils étaient réceptifs. Oui, c'est vrai, il y en avait 8 à faire ça. Mais c'est ça que je me dis, si on était 8 à faire ça, c'est une dinguerie quand même. Attends, mais t'as jamais désamorcé. Non, mais attends, mais pause. Non, j'ai jamais désamorcé. Non, mais attends.
c'est que j'ai jamais désamorcé, même à mes amis le soir. Non, mais c'est tout. Et il y a que Max que j'appelle. Je dis, frérot, je viens de faire une dinguerie. Il avait honte de dire. Et du coup, il a jamais dit. Mais même à ma copine de l'époque, j'ai pas dit. Frère, c'est l'hypnotiseur. J'ai pas dit. Non, mais attends, un coup là. Ce qui se passe, c'est que du coup, je suis le dernier. Et là, il me dit, ok, maintenant, tu vas devenir Mister Univers quand je te le dis, et tu vas nous montrer tes muscles. Fais-le nous un vrai commentaire. Je t'en supplie, fais-le. Ah bah, vous emmerdez pas. Non, mais vous emmerdez pas, on a la vidéo. Ah oui, on a la vidéo. On a tout. Dis-moi, j'étais bien aussi. Bah, je me mets en jean torse nu. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut envoyer la vidéo. Je me mets en jean torse nu. Tu vois ce bar ? Et regarde. Voilà, MJ. Putain de merde. Et là, on voit pas, mais il y a genre 50 personnes sur la partie gauche de la vidéo, tu vois. Et là, il me dit. Putain, vas-y, frère. Ah ouais, mais toi, tu veux vraiment pas vexer les gens, quoi. Vraiment pas. Ouais, ouais. Et en plus, il me dit, allez, vas-y, monte tes muscles. Sauf que moi, dans ma tête, j'attends le drop de la musique pour y aller, tu vois. Mais est-ce que t'as une partie de toi qui te dit, là, les gens pensent que je suis hypnotisé, donc c'est pas la honte si je fais un peu ça. Ok. Donc, je commence à faire mon posing, tu vois. Il a les termes et tout. Là, je commence à faire mais tu joues le jeu de. J'ai répété 5 fois celle-là avant de pouvoir la faire, les gars. Frère, tu joues le jeu de malade. Je suis obligé de jouer des termes. T'es un gros gars de fou, malade. Ouais, mais oui. Je sais pas si je suis gentil. Je sais plus si je suis trop. Non, là, avec tout respect. Là, t'as envie de. C'est trop, là. J'ai l'image, j'ai découvert la personne, il est vraiment à poil. Et attends, les gars, j'ai un truc à rajouter, mais je sais pas si je vais dire une dinguerie. Il me semble. On est d'accord ou pas? L'hypnotiseur. Il sait que tu. Oui. Il a pas mal tourné. Les gars, l'hypnotiseur, il a fini en prison 6 mois après. Quoi? Wesh. Parce qu'il voulait arnaquer des gens en mode. Mais tu vois qu'il tu lui as donné ton numéro de carte bleue. Et il est tombé sur des gens qui faisaient comme moi semblant, je crois. Pour exploit dire. Ouais, t'inquiète. Ouais, l'histoire, elle a tourné bizarre. Peut-être que tout a commencé à cause de toi. Oui. Attends, mais là, il y a un petit titre là sur le truc culturisme. Ça veut dire qu'il a mis ça sur sa chaîne YouTube ou quoi? Sur YouTube, c'est trouvable encore. Mais ça, c'est trouvable. Et il y a d'autres vidéos sous d'autres angles. Ouais, mais tu sais, cette vidéo-là, elle a 200 vues, genre même pas. Terminable. 200 vues. Mais même pas. On fait ça 10 secondes, ça fait pas tant. Mais quand est-ce que tu t'es dit tu t'arrêtes? Tu t'es jamais arrêté? Bah non, parce que tant qu'il y avait la musique, je continue. Oh, t'as commencé à chanter le terrain. Il y a un truc où j'aurais pu me faire cramer, c'est qu'il m'avait dit à l'oreille, enfin, et devant tout le monde, quand t'entendras cette musique, tu fais le ballet dans toute la salle. La musique l'a lancé 3 fois, à chaque fois j'oubliais. Je faisais comme ça sur la chaise, et après je faisais, venez-moi un ballet. Et je passe au milieu des gens, je faisais le ballet, tu vois. Mais attends, j'ai un truc, depuis le début ça marchait pas. Donc le moment où il fait genre, tu dors, et toi tu fais. Ça marchait pas. Donc, toi, non, dès le moment où t'as dit tu dors, tu t'es dit je vais ok, pas. Je fake. Je vais pas maintenant. C'est pas drôle. Juste le début, c'est que il te fait un test en mode tes doigts ils restent collés comme ça. Tu vois, si tu vois que tes doigts ils restent collés, t'es réceptif. Il te fait venir. Il m'a fait venir. Je suis resté 5 minutes comme Grim, ça. Il est réceptif instant. Bon, ça coule les yeux. J'ouvre les yeux et là je vois bien en fait. Je suis en mode mais je suis conscient là, de ce qui se passe. J'ouvre les yeux, mais là je capte qu'on est censé les avoir fermés donc je les referme. Et il parle. Attends, pause parce que. Vas-y. Moi, il y a des gens qui sont fait hypnotiser dans mon entourage, donc Steph, etc. Et ils me disaient, ils sont quand même conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais par contre, ils sont bien. Genre, en gros, par exemple, il lui dit, tu peux plus bouger du canapé, tu peux plus enlever tes pieds du sol. Et il est en mode, non, mais les gars, j'ai le contrôle, mais j'ai pas envie de le faire. Enfin, genre, je suis bien. Moi, tu vois. Donc, t'es sûr que t'étais pas vraiment hypnotisé quand même? Je comprends. C'est la question que je me suis posée. Sauf que, à une reprise, je me suis. Littéralement levé quoi. Tu vois, genre, j'étais en mode genre la tête s'est levée. C'est bon, allez. Voilà, parce qu'en fait, j'ai ouvert les yeux et je me suis fait cramer par des gens en face. Et du coup, je me suis dit putain, quitte à ouvrir les yeux, autant bouger pour de vrai. Du coup, je me suis relevé et quand il est venu en mode rendors-toi, j'ai tapé la tête contre le comptoir qui est un comptoir en fait sur la vidéo. Et j'ai fait style de rien. Tu vois, je me suis dit. Encore plus un escroc. Il avait mal en plus, il avait la mâche en mode genre putain. T'es encore plus un escroc que l'escroc. Oui. Alors, parce que ça, rien à gagner. Des gens vont dire en mode oh, c'est trop gentil, tiens ça. Mais c'est toi qui devrais aller en prison. Frérot, je ne te fais plus confiance. Bah oui. Bah oui. Moi, parce que t'es mal à quel point il ment pour rien. C'est vrai. Ça n'a rien à gagner. Il avait rien à gagner. Rien à gagner. Moi, je voulais juste pas cacher la soirée. Pour moi, t'as. Bon, c'est un charlatan maintenant, mais t'as voulu aider un hypnotiseur. En vrai, je comprends un peu, c'est gentil. Un détenu, quand même. Moi, je l'ai fait. Enfin, il y avait pas de. Mais du coup, t'étais le seul réceptif du groupe. Genre. Seul pas réceptif, du coup. Oui, t'es pas réceptif. Non, mais les autres, ils les ont envoyés. Donc non, les autres, en fait, on a fait un bout de la soirée ensemble et petit à petit, il leur disait, allez, toi, je vais te faire un dernier truc devant tout le monde et tu peux retourner à ta table, tu vois, tu te réveilles. Et moi, ça, c'est le dernier truc avant qu'il me ramène à ma table, tu vois. Bon, okay, les frérots, waouh. C'est du coup, Doug, il va rater peut-être. Ouais, Doug, il est parti du live, je crois qu'ils sont tous. On a regardé en gros. Il y a David Raff et Katsup tout seul sur son live. Il continue, mais sans lui. Je crois que c'est barré. Il en a rien. Non, en fait, c'est trop bien, c'est qu'il va venir, il va manger. Et en même temps, les autres vont continuer son OP. Mais attends, mais. Attends, pour de vrai, je sais pas si on a le droit de dire. C'est vraiment une OP qu'il est en train de faire. Donc là, il part de son OP pour venir manger. La pète. Mais c'est le gourmand originel.
Bon, les frères, je vais aller voir ce qu'ils nous préparent. La mission, c'est de réussir à me faire manger des légumes. Je sais pas si c'est gagné. On va y arriver. Il s'appelle Guillaume Sanchez. Ça veut dire quoi? Il va rester debout. Non, elle est bien. Pourquoi? Ça veut dire quoi? En vrai, elle est bien. Dégage, tu fais des vannes ou pas? Je fais des vannes ou pas? Non, je fais pas de vannes. Juste une. Non, je fais pas de vannes. J'y vais, je fais pas de vannes. Plus vite, plus vite. Allez, cours, cours, cours. Je dois jamais lâcher le regard des yeux. Ouais. Donne pas des défis comme ça parce que c'est préenregistré. Rebonjour, chef. Comment ça va? Ça va? T'as la forme? La forme. Bon. Moi, ça va. Je viens voir ce que tu nous cookes. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que t'es en train de faire? J'ai compris que les légumes, c'était un problème. C'est un vrai problème. Là, c'est un vrai défi que t'as de me faire manger des légumes. Ok. Mais j'ai tu vois, je veux y arriver. Tu veux y arriver? Je veux y arriver. C'est déjà un bon début. Oui. Ok. J'ai pris le parti pris de parfois te les cacher et parfois te les mettre grave en avant. Ah, okay. Donc je vais en manger sans le savoir. Sur certains plats, ouais. Okay. Sur ce plat-là, typiquement, tu vas même pas le voir. Tu vois, ils sont là pour donner de la texture, te ramener tout ce qu'il y a de bon dans un légume. Mais c'est principalement pour la texture et ils vont tellement être cachés par le reste que ça va passer ni vu ni connu. Ok. Ok. Donc là, qu'est-ce que c'est ça, par exemple? Là, on est sur langoustine. On a une réduction de langoustine, des amandes et du chou raf fermenté. Ok. Tu vois, mais du coup, il va être... Non, je vois pas du tout. C'est vrai? Ouais, c'est une grosse boule comme ça qui a un goût de chou. Et c'est super. Ok. et ça, tu le mets pour rajouter une texture différente, en fait. Ouais, et l'avantage, en fait, d'un légume, pour le coup, qui va être fermenté, c'est que tu vas récupérer, en fait, tout ce qui est bon dans le légume. Ouais. Et en plus de ça, il va jouer le rôle d'exhausteur de goût. Tu vois, ça va te ramener presque de l'acidité. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire chez nous ou c'est... Tu prends un légume, tu le mets dans de l'eau, du sel, dans un bocal et tu l'oublies, quoi. Tu vois, c'est vraiment des trucs de mamie. Mais... Ok. Rien de complexe. Ok, rien de complexe. Ouais. Ça se voit que c'est une phrase de chef, ça. Quand tu dis rien de complexe, ça se voit que c'est complexe. Non, en vrai là, ça va être cool pour ça. T'as certains autres plats qui vont être plus drôles. Ok. Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est justement la réduction de langoustine. C'est ça? Ouais, tu veux goûter? Comme ça, là? Ouais. Mais ça doit être super fort, non? C'est un peu fort. Tiens. T'es un peu fort. Non, mais c'est pas ça le problème. C'est que de base, je mange pas tout ce qui va de la mer. Ok, il va être sympa ce dîner. Mais je t'ai dit que là, je suis là pour découvrir des saveurs. C'est ma nouvelle résolution de 2024 là. Je veux manger plein de nouveaux trucs et franchement, j'aime bien. Trop bien. Donc déjà, ça c'est un succès. Réussir à me faire manger ça, c'est folie. Bon, on te laisse cuisiner. C'est gentil. Je te laisse tranquille. Et là, tu vas faire quoi? Tu vas faire la... Là, je la finalise. La mise en place, ok. Ouais. Et on te retrouve juste après alors. Allez, ça roule. Vas-y. À toutes. Je pense qu'on... Ah merde! Waouh! Ça fait grave stylé, Max! La famille, ça va être super bon! La famille, c'était dégueulasse! Ah oui? T'aimes pas les légumes? Bah, franchement, on a écouté ça! Je rigole! C'était bon, je rigole! C'était une petite vanne! On a tous, t'inquiète, écouté, on a trop hâte! Vous avez écouté? Ouais! Bah, trop bien si t'as écouté, Magla, dis-moi, c'était quoi le plat qu'on va manger? Vous t'as écouté? Compote et un château de purée! D'accord! T'as super bien écouté! Ok. Non, pour le coup, il mange que des pastas. Parce que des fois, moi, je vois des tweets, tu sais, genre, il y a certains tweets qui n'est pas astral. On parle de ciné. Grim, il est chaud, ouais. Non, c'est vrai que l'intrigue. Il y a un truc de l'auteur, c'est majeur. Oui, mais en fait, il y a une trop grosse diff. Je connais rien. Il y a une trop grosse diff entre tes tweets normaux et quand tu parles de ciné, où tu fais, c'est la quintessence de l'adéquation à la parole. C'est la série Sobel. Ouais, c'est vrai. De quoi? T'as une seule ref en cinéma. De quoi? Les Looney Tunes. Scooby-Doo, Marvel. Saké, sac, hein. Ah, j'ai pas goûté saké, moi. Santé, santé. Santé, mon frère. Prends pas les pieds. Frérot. Ah, je bois pas l'alcool. Santé, les gars. Ah, t'as fait un truc dégueulasse. On croise pas. Je veux que. Je peux grim. Ça sac un peu, hein. Ça sac, hein. Ça sac. Mais c'est bon, au moins. Non, vraiment, c'est bon. Ah non, ça cool. Max, santé. Surcoté un peu quoi. Santé mon gars. Ça sent plus rien. Mais... En fait, je sais pas quoi m'attendre. Ah ouais. Ça qu'est, t'as jamais goûté à l'eau comme nous. Hein. Ah ouais. Bah, moi, j'ai toujours connu comme alcool, pas un repas. Vas-y. Ah ouais. Bah ouais, moi, en mode... Tu sais, dans les petits trucs, fort, avec vraiment. Les boules à l'intérieur là. En digestif. Oui, voilà. Mais c'est fort, normalement. Mais je pense que là, pour le coup, vu que lui, il s'y connaît vraiment, il doit avoir une histoire de ça. Marie bien, c'est un détergent. Non, mais ça l'avait grave. Moi là, ah ouais, c'est vraiment pas torcher la gueule. Non, ouais. Attends, mais t'es en fait, c'est ce que je me suis dit. Moi, c'est alcoolique.
C'est un chef étoilé. Vous connaissez Guillaume Sanchez ou pas? Il fait beaucoup de trucs sur TikTok et tout. Ah, sur TikTok. Et grave. Non. Quelle heure il a pris? Pas le doigt gauche. Attends, il est 47, il avait dit qu'il arrive à 32 quand même. Imagine, c'est juste pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui, je suis dégoûté. Non, c'est pas lui. Douane, d'un coup, d'un coup. Y'a personne. Ah. Ouais. Est-ce qu'on a une entrée pour Doig? Amenez une entrée pour Doig, s'il vous plaît. Il s'est applaudi quand t'arrives une heure en soirée. Il a laissé son live. Tu te fais applaudir quand t'arrives une heure en soirée. Tu te rends compte de qui t'es désolé. Je sais pas quoi faire. En plus de la betterave là, j'ai gros, c'est génial. Tu vois que j'ai pas raté. Ça va pas passer vite, par contre. T'étais pas prévu toi à la base? Non, je suis là pour manger. Il est en retard, il est vraiment là. De fou, lui. T'es cadreur toi, non, la base? Coucou, frérot. Il s'est passé quoi dans ton live? Ouais, ça va et toi? Mais ton live tourne encore. J'ai fait bosser ma Kaito. En mode Covid, quoi. Parfaitement. Et du coup, je peux être avec vous. Désolé pour le retard, encore une fois. Mais tu vois, en vrai, t'as mis un quart d'heure, grand max. Là. Ouais, il est 50. Il avait dit à 22, je suis là dans 10 minutes. Il est 50 Ouais. Bon, ça va. Il a dit voire moins. Il a dit 10 minutes, voire moins. Blanc africain. Là, t'étais full blanc. J'étais bon espoir. Non, je suis désolé. Après, il y a toujours dans les repas de famille, c'est aussi pour montrer ça, il y a toujours le retardataire, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Il y a toujours l'oncle relou que tu vois jamais de l'année. Par contre, il vient toujours avec plein de cadeaux. Mais ouais. Et toi, ouais. Et toi parce que j'ai pas eu le temps. Parce qu'il y a le Secret Santa. Okay. Non mais parce que le Secret Santa. Non, mais le ça j'ai. Ah, surtout que la personne que j'ai tirée pour moi, c'est, tu sais, je l'ai pris comme. Comme un cadeau. Ah oui, j'étais vraiment. Fallait que tu le fasses quoi. Ouais, vraiment. Ça va. On vous dérange pas? On vous dérange pas? On passe à Lena. On a que Doigby. On a que Doigby. Vous, ça vous dérange pas? Non, attendez. Attends, on va en quoi là? C'est un vendeur d'Alena en Belgique. On s'en bat les couilles de Doigby. Doigby, il est en mute pour 5 minutes parce qu'il est en retard. Oui. Et puis Lena, elle arrive de Belgique, on prend un peu ça. Pas de soucis. Le pop-up, ça s'est bien passé? Ça va, les pulls sont cool. Mais c'est pas Léna. Y'a pas de pull là. Si. Bah, c'est une autre situation, mec. Bah, si, mec. Ouais. T'as pas vu les visuels? Elle est juste dans une autre situation. C'est Saké, ouais. Saké là. Ouais, c'est. Il est en train de rapporter. Ils avaient traqué, j'imagine. Non, déjà. Oui, par contre, on a déjà traqué. Par contre, on a tous bu que sec. Pendant que tu passais ton code de la route, on a traqué. Ah non, par contre, Gotha a dit un vrai truc. On a tous bu que sec le premier verre. Oui. Et Dogby qui arrive en retard. C'est du Saké. C'est vrai. En vrai, ça va. Ça passe. Déjà, t'arrives en retard, frère. Ouais. Bien sûr. L'abus d'alcool, on dit, est dangereux pour la santé. Ah, bien vu, frérot. Merci de dire après. Mais après le 42 heures, après le cuisine, déjà, non, c'est bon. Il est bon, il a kiffé. Hein. J'ose rien demander, mais genre, il y a eu une présentation du repas, comment le repas a été confectionné, qui a choisi. Bah, oui, il va t'expliquer quelque chose. Un mec qui rien demander, tu lui demandes. Mais à part ça, j'ose vraiment rien demander. Non, donc c'est simple. À part ça, c'est quoi? Les gourmands. J'ai raté la bouche. Maxime Biagli. Saison 3. Les gourmands. Noël. Et par rapport à la repas, anecdote. Sac derrière toi. Repas. Ah, pas touché au sac. Oui. Vert. Mais pourquoi tu parles en mots-clés? Comment ça fait? Là, il est pas dans un mode critique. Je comprends. Secret Santa. Repas. Il a un caractère limité. Là. Caméra. Quelques mots par-ci par-là. Hein. J'avais une vraie question pour Gotha. Vas-y, je t'en prie. Parce que du coup, est-ce que toi, au début de Gentlemate, t'as kiffé les. Parce qu'il y a un vrai parti pris niveau DA. Mais là, est-ce que dès le début t'as kiffé ou un article ouais. Les gars, c'est un vrai fan. Un vrai fan, tu connais quand même. Ou est-ce que t'as dit à Lucas, bon c'est de la merde, mais vas-y, je te fais confiance. Dis la vérité, moi je suis au courant de l'histoire. Non mais les gars, moi je vais être totalement honnête. Voilà. Moi dès le début, j'ai directement dit à Lucas que c'était véritablement nul. Ah nul carrément. Non, en vrai de vrai, moi je suis très gaming, très carte graphique, très style series, très Razer. Asus ROG. Asus, ouais, tout ça. Windows, hein. Non mais tu vois, je suis très genre pas par exemple alors j'ai rien d'autre que ça. Tu vois les noms Vitality, les noms, tu vois, même Mandatory, tu vois les noms très gaming, gaming. Solari, tout ça, moi je suis très dans ça, tu vois. Donc au début, non, moi j'ai eu du mal, j'étais en mode ça me correspond peut-être pas, sauf qu'en fait on connaissait le nom, et en fait entre temps il y a eu SBG, il y a eu pas mal de choses machin, etc. Et au final j'ai mis, en fait, les objectifs que qu'un Lucas vise, en fait je comprends totalement, tu vois, il veut changer un peu la DA, il veut changer un peu tout ce côté où tu vois, genre, les gamers, on est dans la catégorie, c'est bon, c'est vraiment ouais, des gamers. Ouais, t'as voulu prendre le parti pris. Ouais. Et des fois, c'est vrai qu'on regardait des matchs, on voyait Sentinels contre une autre équipe, ouais. C'était les mêmes logos, tu vois. Le se ressent tout le monde. Par contre, ça c'est vrai. Et au moins, là, tu vois, t'aimes ou t'aimes pas, mais au moins, là, tu sais, enfin, c'est différent. Après, perso, Max, si t'écoutais Live Just Dating de Gotha, tu saurais qu'il a déjà répondu en live. C'est vrai, mais tu suis pas trop. Il a dit plusieurs fois, j'ai pas fait du logo. My bad. T'as déjà donné peut-être un autre nom qu'aurait pu. Tu vois, un des noms qui avait. Un Imperium.
Ok, ça avait grimpé. Si, ça, mais ça tu l'avais déjà dit, je crois. Imperium. Imperium. C'est ton nom à toi qui aurait kiffé. T'as hésité, putain. Non, lui, je pensais que c'est moi qui proposais des noms. Mais là, c'est plus, pour le coup, c'est plus gaming. Bah ouais, grave. Ah bah là, c'est gaming, c'est carte graphique. Gentleman, ça change. Toi, tout de suite, Max, si tu devais avoir une fille là maintenant, comment elle s'appellerait? Une fille? Ouais, maintenant, hop, elle. Valérie. Quoi? C'est quoi, Valérie? Quoi? Quoi? Attendez, elle regarde le live là. C'est pas ta mère. Elle regarde le live. Moi, je dirais Valérie parce que. C'est pour ça, ok, j'ai pas la. Toutes les Valéries sont magnifiques. Non, c'est vrai, ben. Ah ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Toutes les Valéries sont belles, sexy, gentilles. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, moi, je l'appellerais comme ça pour. Très sexy. Très sexy. Quoi? Non, mais ma mère est. Non, mais c'est une très belle femme, ma mère. Ta mère est sexy? Ah, elle est sexy pour qui en. Objectivement dire, non, non. T'as pas vu les Virginiens en revanche? Non, Elian. Ah si. Elian, regarde. Si en plus. Virginia, si, je l'ai vu. Elian, oui. Regarde ta mère objectivement. Est-ce qu'elle est sexy? Frère, elle regarde le live. Comment tu veux que je réponde ça sérieusement? Non, mais. Tu pourrais dire. Il faut que tu sois objectif. Je vais casser le rôle totalement. Ta mère objectivement, tu regardes ta maman. Est-ce que tu dis cette femme est sexy ou. Mais vous êtes des oufs de votre. Mais vous êtes des bâches sur sa daronne. Mais oui. Elle est où la magie de Noël? Elle est sur le live là. Elle écrit dans le chat. Tu peux regarder la cam comme ça et dire ma mère, je la trouve. Moi, ma mère, je la trouve pas particulièrement sexy, je la trouve jolie, mais pas sexy. Non, mais arrête! Non, mais arrête! Elle est charmante! Elle est charmante! Non, mais les gars, je suis d'accord que dire que sa mère est jolie, c'est, j'avoue que c'est pas cringe, c'est pas bizarre. Non, mais bon, sexy, c'est bizarre, moi! D'accord! Non, pourquoi? Voilà, on sert son prochain, tiens, Elian fait tourner. Ah, bah oui. Tu m'as servi, hein? Alors, c'est fini. Ouais, moi, je suis sérieux. Qui veut faire une chaussette? Toujours, moi. Est-ce qu'on se fait une chaussette? Allez, petite chaussette. Petite chose? On se fait une chaussette. Je prends une chaussette, je prends une chaussette. Ok, JC, vas-y. Qu'est-ce que ça se fait? J'ai pas de chaussette derrière ma chaussette. Ouais, c'est regarder. Écoute, c'est à nous maintenant. Vas-y. Le message. Mais oui, oui, oui. Ouais, c'est ça le jeu. Et ensuite, trouver à qui ça appartient. Du côté de Chessy. Bon, déjà, c'est pas Mangla. J'ai failli perdre mes couilles. Wow, bah, après. Elian. Excusez-moi, les gars, en 2023. Pourquoi pas Mangla? Pourquoi pas Mangla? Oui, on se voit. Je suis pas du tout au courant. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est forcément c'est fini, je sais pas pourquoi. Moi c'est Manas. Alors moi je pense que il y a un as qui tout sur quoi. Et on s'en rend pas compte à quel point c'est un malade couille. Tu penses qu'il aurait mis ça de base? Ah putain. Il aurait osé mettre non. Il est police. Ah ça peut être toi. Ouais, là franchement avec son à cause de la c'est de boule, c'est de boule. Ouais. Les doigts de boule. Il a failli faire les doigts de boule. Après, attention, parce que Sylt, en mode cascadeur et tout, il a pu failli genre, les arracher. On est sur une torsion, on est sur une torsion. Non, mais il faut que tu comprennes un truc, c'est que je ne loupe pas les cascades. Et ça, c'est vrai. Et ça, il sait pas. Et ça, mais, okay. Bah, les cadreurs, donc... Bah, désolé. Ta gueule, Tom. Non, ta gueule. On mange. Oh. Ah, l'atmosphère, elle fait... Ok. Passons au vote. Moi je dirais Séphie. Séphie aussi. Moi aussi Séphie. Dog beat. Moi je dog. Moi je dirais dog aussi, ouais. Merde, dog balls. Moi je dirais Séphie, mais tu sais, pas en mode un choc ou quoi, mais. Plus tiens, il y a une infection, un truc comme ça. C'est champignon, moi, ce jeu. Le mec il est plus triste, c'est vraiment tout ce qu'il est. Max, il nous l'aurait dit. Toi tu sais. C'est vrai que vu la formulation, on dirait. C'était Séphie, c'était Séphie. Vas-y. Ah, je raconte comment j'ai failli perdre mes couilles. Oui, ouais, vas-y. Ah, des et il y a une fille, du coup. Non. On est tous rassurés qu'on n'a pas failli perdre la doigt beuteux, parce que ça, franchement, elle va bien. La bronze, pas la c'est la doigt couille, donc. Okay. La doigt couille, français chiant. Frérot, j'ai failli perdre mes doigts de boule. Mais et en fait, ça peut nous arriver à tous ici. C'est un jour, vraiment, je me suis réveillé. Ça me terrifie. Frérot, genre vraiment, je me suis réveillé, tout allait bien dans ma vie, tout était génial. Franchement, je me réveille. Et depuis, je pouvais plus marcher. Depuis, C'est même pas une torsion, c'est pas une torsion. Frérot, c'était pas une torsion. C'était pas, ça a rien à voir. C'est une petite douleur des fois un peu au-dessus. Non, frérot. Ouais. Non, toi, t'es une bactérie. Frérot, en fait, c'est je me réveille. C'est tout en fait, moi, j'ai tellement mal aux couilles que je peux plus marcher, tu vois. Et moi, je laisse un peu passer. Je me dis, bon, j'ai dû me réveiller du mauvais. Du coup, tu fais quoi? Comment tu laisses passer ça? Genre, tu restes vraiment immobile toute la journée. Tu connais, frérot, des fois, c'est une douleur. T'attends deux heures. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Toi, tu connais. Bon, non, mais pas à cet endroit-là. À cet endroit-là, moi, je panique. Ah ouais? Je pense que j'aurais paniqué direct. Je me dis, pourquoi pareil. Pourquoi ça fait ça, là? Mais tu serais allé consulter, genre? Ouais, ouais, direct. Ouais. Non. Bah, frère, je serais consulter au médecin. Non, j'aurais appelé SOS médecin, un truc comme ça. Mais c'est quand t'as rigolé avec les couilles. Ça peut arriver dans n'importe quel endroit. Ça peut arriver dans n'importe. Il y a une montée en flèche des couilles depuis. En fait, genre, j'avais une hernie dans mon tablier intestinal, là, je sais pas quoi, et en fait, qui est descendu dans mes couilles. Mais non. Et en fait, moi, je l'avais jamais senti. T'as foutu un tablier dans des intestins? Ouais. Forcément. C'est pour ça. Il fait n'importe et quoi. Tu t'étonnes derrière. Quoi, genre, en fait, au fur et à mesure de la journée, mes couilles ont commencé à gonfler de ouf. Et genre, je devais marcher vraiment, tu vois, les jambes comme. Non, dis, fais la taille sans mentir, sans mentir. Non, la taille de mes couilles. Au prime. Elles ont doublé, genre, sans mentir, ouais. Sans mentir, je pense qu'elles étaient. Comment?
un peu. Comment, attends, j'essaie de. Comment on peut avoir ça avec la beauté aussi? Comment chacune. Vite, non, pas chacune. Dis-moi comment t'as paquet, tu vois. Comment on peut avoir une hernie aussi là? C'est pas une hernie, c'est deux. C'était deux couilles. C'est la taille de tes couilles actuellement, mais tu connais. Et. Ah ouais? Et du coup, moi, frère, genre vraiment pompier et tout, tu vois. Genre ambulance. Ah mais c'est gênant. Il y a un vieux monsieur qui me met du gel sur les couilles, tu vois. En fait, tout était gênant cette journée. Attends, mais du coup, tu montes dans le camion de pompiers. On me porte pour je ne peux plus me dépasser. Les jambes et tout. C'est le mec de ce genre vraiment, on me met nu. Tu sais, il est comme ça, c'est on me met entièrement nu, tu vois. Dans la brouette. Et frérot, ben oui. C'est fou, on l'a tous vu cet épisode. On a tous vu l'image. Les portes. Et vraiment, tu vois, j'arrive à l'hôpital, il y a un vieux monsieur qui commence à me mettre du gel sur les couilles. Déjà, c'est extrêmement froid, c'est une échographie de couilles. Il lui a dit, moi par contre, je suis pas docteur. Moi, je suis en kiff là. Non, je suis en soldat docteur. C'était mon oncle. Oh, mais... ici, on faisait à l'ancienne. Pas docteur. On a vidé la couille. Et vraiment, tu vois, moi, ça commence à me sculpter les couilles, tout le monde vient toucher à la grosse couille. Okay. Genre, vraiment, non, mais je pense, les gars, j'ai vu vraiment moins, je pense, 10 médecins. Ça, c'est le pire truc. Tout le monde est parti voir la grosse couille. Ouais, c'était un cas, quoi. Genre, non, mais un cas, tu vois, genre vraiment. Chaque mec, une grosse couille, il va voir. Mais en plus, c'est un truc d'université, donc il y a même des internes qui venaient. Il y a les internes qui viennent voir la couille et tout, tu vois. Et moi, je suis la gros, j'ai les jambes écartées. Mais c'est pas, ils ont vu les couilles, après, ils ont vu les autres maladies, non, sens. Non, ça va. Comment ça se soigne, du coup? T'as fait quoi? Il est frérot. Il parle plus depuis tout à l'heure. Non, frérot, dis-toi, genre, il y avait des chirurgiens, ils ont arrêté toutes les opérations qu'ils devaient faire pour sauver mes couilles. Ça a duré 12 heures. 12 heures? Ça a duré 12 heures. Non, ça a duré 12 heures. Attends, 12 heures. Franchement, je pense qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ah ouais, 10 ans, t'avais quel âge? Je sais plus. Et t'étais endormi? Moi, 10 ans, ça va. Ouais, j'étais endormi pour mon opération des couilles. Et pendant 12 heures, ils sont relayés pour te sauver les boules. Pendant 12 heures, il y avait des médecins, vraiment. Cauchemar. Ils ont tout donné pour mes couilles. Et c'est dû à quoi? Genre, ils ont. En fait, c'est juste une hernie. Genre, tu vois, tu peux avoir des hernies ici. Et juste, elles peuvent descendre dans tes couilles. Voilà. Ça s'appelle une hernie avec un épiplomb étranglé, je crois, un truc comme ça. Ah, mais je pense 12 heures, ils se sont fait un câble. Non, t'as inventé le mot. Mais s'il y a des médecins dans le chat, ils vont dire oui, un épiplomb, c'est ça. Mais ils sont tous médecins, si tu leur demandes. Et lui, il lui arrive vraiment des histoires. Oui. C'est pas de trucs de crâne ou quoi, mais des trucs de. Je dis, mais pourquoi toi, tu vis ça, toi? Ouais, il a souvent des trucs comme ça. Laissez-moi passer. C'est mon neveu, je vous ai dit. Wesh. C'est ma tata, c'est ma tata qui fait les cadeaux. C'est les rêves de ses filles. C'est marrant. Oh, c'est les cadeaux. Laissez-moi passer là. C'est Zen. C'est ma tata. Bon enculé. Tu vois, quand je vous parlais de ma mère tout à l'heure. Ça ressemble à ça. Tu sais pas Zen. Mais non, c'est des petits cadeaux. Gros, pourquoi t'as repris les mêmes employés que t'as sur Zen? Bonjour. Ça va? Pas du tout, c'est ma tante. Ça va? Putain, pourquoi t'as tiré que Dwagby? Elle est solide ta tante. Démonte-la. Attention au câble. Wesh. Non. Tata, wesh. Ah mon Y là. Elle va débrancher la cape. Ouah, la tata elle a un slip, elle est en slip. Ça va? Ça va? Ça va bien? T'as fait des, fait des cadeaux? J'ai Selma dans la main. Fais des petits cadeaux. Il y a quelqu'un qui a un feu ou pas? Non, pas de feu. J'en ai un, moi j'ai un feu toi. C'est pas de feu, mais arrêtez de la vanner frère, elle entend. Wesh. C'est un vrai ou c'est un. Oui, c'est un vrai mégot. C'est un accessoire, t'inquiète, c'est la chaîne déco. S'il vous plaît. Ah. Oh la tenue. Un peu à boire, là j'ai soif. Bien sûr. C'est de l'eau. Tu sais. C'est du jus, c'est du jus. Oh putain. Oh voilà, pas changé. Regarde mon verre. Si tu passes pas ton verre, toi t'en bois pas, heureusement. Oui, c'est où tu veux le calme? Viens mon Télian. Quoi, non? Tiens. Mais t'es mignon, hein. Ah, c'est l'enfer. Mais non. C'est chiant. C'est chiant. Ça c'est chiant, c'est fou ça. Mignon mon Télian. C'est la question ça. Vas-y, fais la gueule. Bon. Tiens, mon petit Corentin. Pas de bisous. C'est le même. Bizarre. Sans bisous. Pas de bisous. Ça va, mon petit Maxime? C'est la magie Noël, ça va, tata? T'as fait encore. J'ai un peu soif encore. T'as fait des petits cadeaux? Ah, t'as encore soif? C'est quoi? Tiens, tata, tiens, bois la bouteille. Non, mais ne lui donne pas la bouteille. Ouais. Il a niqué la bouteille. Merci. Il a enculé la bouteille. Ok. J'ai des petits cadeaux. Qui veut des petits cadeaux? Oui, tata. Ah, c'est bien ça. J'ai un petit cadeau pour ces filles. Ouais, il est bien en bas. Moi, je sais que t'es un petit peu un geeko, toi. Hein? T'aimes bien tout ce qui est connecté. Tu m'as dit la même chose la dernière heure. Ta gueule. Là, t'es un bonnet, là. T'es un bonnet, t'aimes bien les bonnets? Oui. Allez, tiens. Encore un bonnet connecté? Bah non, pas la même, quand même. Un bonnet dans un sim, petit truc. Allez. C'est vrai que l'année dernière, la tata lui a offert un bonnet connecté qui était très stylé. C'est quoi, ça? C'est le même bonnet que j'ai eu l'année. Non, mais possible. J'ai pris le même parce que j'ai cru que tu l'avais perdu, donc je me suis dit au cas où. Au cas où, mais tu le mets jamais. T'as oublié que t'avais acheté le même? Non, non, mais parce que je pensais qu'il avait perdu. Je suis dégoûté. Parce qu'il le met jamais. Grim. Oui. Oh ouais, c'est moi. Toi, t'es un gamer, toi. On m'a dit que tu jouais à Overwatch.
Ouais, hein, ça peut arriver plus là. Tiens, overswatch. Tiens, tiens, overswatch. On s'en dans la gueule. Allez, ouvre c'est ça. C'est léger, je pense à être nul. Regarde, tu vas être bien là, devant les écrans. Comment tu vas être bien? Oh, c'est dégueunard! Oh, ouais, voilà. Oh, attends, c'est un vrai cadeau en vrai, attends! Ouais. Ouais. Bah attends, elle est bien! Elle est bien, tata! C'est stylé en vrai ça! Attends, elle est trop gentille, la connasse, cette affaire dégueunard! La quoi? Pardon, je parlais pas avant. Oh, à toi, la gros, t'es bien? Bah attends, bien! Bah en vrai, bah merci! T'es bien! En vrai, c'est un vrai cadeau! Mais ouais, je suis belle, hein! Mais ouais! D'accord. C'est qui les stars? Viens, on échange. Non. Ça te plaît? C'est un je les ai trouvés devant. Toi, c'est je les ai trouvés devant la fenêtre des ternes. Devant? Devant la fenêtre des ternes. Non, non, il y avait un petit 13 ans qui passait. Il avait des gueulards, donc je vais choper. Oh, j'ai un truc pour les. T'enculé! Mais gros, t'es stylé. Hein? Trop stylé en vrai. Fignon! Oui! C'est pour toi! Oui. Cadeau! Petit amour, attends. Non, attends, c'est bon. Si, si, si. Non, c'est fini. Tu sais que ça porte malheur, tata, de faire des bisous. Deux joues. Non. Tiens. Moi, pour moi, ça, c'est un enfer. Ouais, non, pareil, là, ça, c'est. Merci, tata. C'est un enfer? Non, 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 pas du tout. C'est un cadeau, là. Ça a l'air bien. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Wesh. Mais il est cassé. C'est des moments, t'es mon petit neveu quand même. Ouais. T'es déjà cassé. C'est quoi? Ça sort un schloss. Allez, ça va te plaire, hein. Quoi, ça t'attend? Parce que toi, toi, je sais que t'as des passions. T'as fait quoi il y a pas longtemps? T'as fait comme tata. T'as échappé. Hein, voilà. Ah, okay. Voilà. Ça, voilà. C'est sympa. T'as voilà. Cassé. Comme tata. J'aime bien. Voilà. Merci tata. On a fait tous la même chose. Il y a un peu cool. Merci tata. C'est tata, elle échappe au fils, à la police, et toi, t'échappes à. Et Léon, c'est le maillot pour qui ça? C'est la bague, en fait, t'es une bagueuse en gros, cette merde. Mais en plus, c'est celui à quoi? Bah ouais, ouais. Le plus gros chien du circuit. Attention, j'ai un gros cadeau. C'est sympa en vrai ça. Pour qui? Gros cadeau. C'est pour moi ça. Pour le Fresh Monster. Oh. Eh ouais. Hein? Pour le Fresh Monster. Il a pas osé le lancer. Du coup, non, non, non. Okay. Non, non, non. En ce moment, c'est que tu rattrapes qu'avec des claviers souris en vrai. Parce que si je te lance, si je te lance, tu vas me faire un quick scope. Je pense. Bravo, tata. J'ai appris. C'est parce que t'es un gamer. Mais. C'est le tout nouveau, le récent. Ouais, tu vas me foutre la merde avec les sponsors, mais vas-y. C'est quoi T'inquiète, t'inquiète. Je vais te présenter quelqu'un, Elise, tu vas voir. Cadrian. Allez, on va se prendre un peu. Le Triton Ice Pro. Triton Ice Pro. En vrai, par contre, c'est vraiment un truc, genre un ancêtre de. C'est un morceau d'histoire. C'est le meilleur casque sur le marché. De l'histoire. Ah non, c'est le meilleur casque. Il y a les avocats de Razer qui vont venir, t'inquiète. Il n'y a pas meilleur. Mais le micro, il est même plus en vente. Je crois que pour ta défense, il est plus en vente. Ah ouais, ok. Je pense. C'est à qui ça? Ça m'en fout, c'est vraiment et tout. Non, c'est vrai. Juste la boîte. Il est neuf? Je suis désolé. Bon, c'est pas il y a la tata, il y a la tata qui vient. Ah ouais, c'est au Vietnam, ils avaient ça. J'ai un peu soif encore. Ah, t'as soif? Non, c'est. En fait, elle est du consommer en fait. Bah non, elle a, elle a fait un long voyage pour venir. Pourquoi t'as ça toi? Parce que. Ok. Elle habite à Saint-Ouen. Bah si. Tata, j'ai un autre cadeau ou pas, faisons. Non! Ah putain. Ok, c'est. Moi j'ai un gros cadeau! Ouais! Oh, c'est pour moi? Non! C'est pour le plus beau d'ici. Bon, ok, bon, bah c'est bon. T'as pas besoin de regarder autour de toi, mon grand. Fallait pas. Il est rapide. Allez mon grand, allez. Allez mon grand, c'est pour toi. Regarde, il y a pas de vanne, c'est okay. Ton petit cadeau. C'est un dog de rechange. Eh ouais. C'est un bon gros cadeau. C'est pour toi. Ouais, c'est Superman. Hein? La blague. Tu pars à quelle heure? Je sais pas, ça dépend. Ça dépend. Bah avec plaisir, ouais. T'es en train d'avoir. Tu viens en caddie? Attention les verres. C'est très très vert. Attends, bien sûr, bien sûr. Ah j'espère c'est un déguisement Superman. Attends, attention les verres. Ouais. Bah, c'est pas du vent ça! C'est du saké! C'est pas du vin! Ouvre le bec, mec, ça va, tata, ben! C'est pas du vin ça! C'est quoi, c'est une tenue, c'est un vêtement! C'est beau, il est pas neuf! Voilà. Parce que je sais que t'avais froid! Je sais que t'es quelqu'un qui a très froid! Mais c'est le pull de qui ça? Elle est pouille! Enfin, c'est mon pull! Je sais que t'as. Ah, c'est une veste! Eh, ça tue en fait! Honnêtement, vérifie! C'est une veste! Attends, mais c'est ma doudoune ça, non? Il y a des différences de prix de cadeau! Mais c'est moi, il y a des grosses pommes dessus! Une petite veste! T'as fait quoi avec? J'ai juste pris là où elle était, moi! Il a poussé au Gotha! Allez, c'est une veste Amazon, essentielle. Elle est belle, t'as une petite veste. Elle est sympa, la veste. Mais attends, mais c'est ma veste. Mais non. Mais c'est... Bah oui, c'est ta veste. Mais j'ai récupéré juste à côté, c'est pas la tienne. Bah attends, mais j'ai dit, elle est pourrie. Elle est sympa, la veste, non? Là, il va y avoir mes clés. C'est une veste Amazon? Peut-être qu'on pourra rentrer ensemble, alors. Ah ouais. Et du coup, la Charlotte du mototaxi, quoi. Ils l'ont raqué. Ah, ça fait plaisir. Donc en fait, t'as pris ma veste, tu l'as dégueulassée. J'ai vu les clés de voiture, t'as une belle voiture, non? Ouais. Ah, on peut rentrer ensemble. C'est pour ça que je te raccompagne. Ah bah avec plaisir. Pourquoi la veste elle est dead? C'est juste un. Non, la
tâche, pas cette tâche là. Une grosse tâche de sperme. La tâche, je sais pas, c'est faut demander. Je sais pas, faut demander au cadreur. Faut demander au cadreur. Peut-être qu'il y a le cadeau de Léna, comme elle est pas là, je peux le prendre moi. Non. Bah Léna, j'ai pas de cadeau de Léna, j'ai de cadeau de Manas. Voilà. Voilà, Tiller, Tiller. Mon petit Manas. Vas-y, je vais te l'emmener. Attends, je vais loin. Fais plaisir, frère. Attends. L'emmener. Tu pourrais dire merci. Quand regarde. Même. C'est des vrais cadeaux. Et c'est fait exprès pour toi. Comment ? Exprès pour toi. On a cherché. J'ai cherché. Ok. Oh putain. J'adore, il est trop fort. C'est ton cadeau. Que pour toi. Ah, c'est Magla. Ah ouais, c'est Magla. Je me suis trompé. Ça commence par un M et un A. Ça confond. C'est pas de ma faute. Tiens. Merci, Tata. Il la laisse tromper de cadeau. Oh non, je suis trompé. Tata. Tu dégages. Oui, c'est bien. Ah, pardon. C'est sûr que c'est bien en plus. C'est compliqué. Je suis pas sûr que ce soit bien. Je pense vraiment que ça va être bien pour Magla. Parce que toi, je sais que. Attends, Magla. Tu sais de quoi t'es fan? Moi, je sais de quoi t'es fan. Il y a plus de voix du tout. Laurie? Oui. Elle s'essouffle de. J'ai mal à la gorge. J'ai mal à la gorge. Tu sais de quoi t'es fan? T'es fan des petits chiens. Ah bon? Oui. Et là, il y a un petit chien. C'est vrai. Et donc, oui, t'es fan des chiens. Il y a un chien dedans. Non, c'est non. Coupa, c'est coupa. Non, peut-être une patte. C'est coupa. C'est des croquettes? Allez. Qu'est-ce que c'est? Jure, c'est à toi, le cas. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, j'ai bien aimé, moi. T'as une idée? Oui, c'est un chien. Non. J'espère vraiment c'est que c'est juste ça. Une patte. Sinon, je peux quitter la table. Juste une patte. Une patte de chien? Oui. Ça porte chance, en vrai. Juste un morceau. Attention. Tu peux donner les autres, Tata, si tu veux. On m'a déjà attrapé pour non, moi non, ça. Non, c'est bon, j'ai fini. Les ongles. Tata, fallait pas du c'est tout emballer comme ça. Attends, bon, ça c'est un cadeau, ça. On va avoir de la force, hein. C'est la clavicule qui a sauté ça. Attention. En même temps, je vais le donner à qui? Oh la vache. Moi? Attends, en vrai, c'est stylé. Pas tombé. Pardon. C'est la patte patrouille. C'est la patte patrouille. Waouh. Pour aller à l'école. Mais wow. Ça, tu. J'ai un petit sac. C'est un petit sac. Et ça, c'est pour mon casse-cou. Bah non, c'est jaloux. C'est pour mon casse-cou. Le casse-cou. C'est bon, toi. T'as un bébé, hein. Allez. Mais toi, voilà, c'est fort. Tu fais un casse-cou. Y'a rien dedans. Toi, on m'a dit. Pour l'instant, mon cadeau préf, c'est quand même celui des doigts. Toi, on m'a dit que t'étais un casse-cou. On m'a dit. Frérot, c'est un. Y'a rien en carton, c'est un truc pour que je casse un truc. Non. Ça passe en. Ah oui, vous en. T'es un amoureux de. Hein? Y'a rien dedans. T'es un amoureux de ça, hein? Ouais, j'aime bien les combats, ouais. Quand tu fais ça, là. T'es un amoureux de ça, toi. Ouais, faut mettre un amoureux. Derrière, plus derrière. En a plus derrière, comme ça. Là, tu croises tes bras ça sur son cou. Voilà, exactement. Ah, c'est pas mal. Et là, il dort. Non, il va pas bien, il va pas bien. Et là, il dort. Ah, il a fait comme Elion, c'est marrant. Et là, il dort. Donnez-lui une saquée. Et là, il dort. Ça va, ça. Oh là là. Ah, il est en passe-temps. Voilà. Ah, bagarre. Merci, Tata. Merci beaucoup, Tata. De rien. Manas. Oui. Ah, bah, c'est bon, ça tout. Ah, il est en passe-temps. Moi, j'ai toujours rien. Arrête. Le gros coup. Ah, oh, j'ai ton petit cadeau. J'ai ton petit cadeau. Et il est fait exprès pour toi. Trop bien. C'est pas le cadeau de Léna. Et puis, finalement, on le donne à Manas. Et puis, on sait pas qui il est parce qu'on lui a pas l'invité. Ça, c'est n'importe quoi. Manas, c'est pas une caméra. Donc, je suis dingue. C'est vraiment merde. Fait pour Manas alors. Mais c'est fait pour Manas. C'est tout ce qu'il aime. Oh putain, c'est fait pour tout ce qu'il aime. Mode et fashion. C'est grave fort. Mode et fashion. C'est. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, bah oui, les modes et fashion. En vrai, c'est le mieux habillé ici. Mais je kiffe. C'est le mieux habillé. Je kiffe. Tata, t'en penses quoi, moi là? Merci, Tata. Ta gueule. Waouh. Et le dernier. Je kiffe pas. Je kiffe pas. Moi aussi, je vais avoir une petite vanne. Pour la fin. C'est une petite vanne encore? C'est une petite vanne. Allez, petite vanne. Pour mon petit préféré. Ah. Qu'est-ce que ça peut être? Je pense que ça va être une petite vanne. T'es fan de quoi? T'es fan de quoi? Ça va trop bien. Je suis fan de jeux vidéo. Tu m'as prévu une manette. Et t'es corse. Ouais. C'est quoi? Un 9 mm. Non. 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 Je rigole. Pas spécialement. Mais ça aurait été bien. Une petite vanne? Non. Bah, j'ai hâte de voir la vanne. C'est pour te faire plaisir. J'ai hâte de voir la vanne. Si la vanne de Tata elle est chiante, je la fais. C'est une vanne. C'est une vanne. Mais non, ça va être un truc rigolo. Et j'ai fait les mêmes cadeaux pour tout le monde. Toute la thune. Non, non, c'est ça va être un tout petit truc rigolo. Non, c'est un petit truc. Mais n'importe quoi, c'est un tout petit truc rigolo. J'ai pas de préférence ici. Le maillot de Léo, c'est le maillot de Léo que je voulais. C'est celui que tu voulais. Les maillots. Eh oui, c'est celui que tu voulais. Il est beau. Ah bah voilà, petite vanne, c'est petite vanne. C'est parce que Léo, c'est marrant comme nom. Tu t'es fait kiffer là, Max. Non, non, mais non, Léo, c'est il a non. Comme nom. C'est j'ai donné à tout le monde ce qu'il avait demandé. Voilà. Voilà. C'est bien. Let's go, my boy. C'est bien. Let's go. Ça va. C'est bien, j'ai l'impression que c'est... Yes. J'ai l'impression que c'est ce que allez. Tu voulais, quoi. Ouais, parti le budget, ouais. Il a passé sans frais de sauce tranquille. Je vais vous laisser. Parce qu'il le c'est comme bonne soirée. Bah oui, ça y est, c'est bon là. Non, attends, merci. Merci, Tata. C'est 5 secondes de plus à l'écran. Ouais. Lichette avant de partir. Ça fait beaucoup de lichettes là. Oh, mais on peut boire plus aucune bouteille là. T'arrêtes. Pas avec. Ça me prend. Merci, Tata. De rien. Bonne soirée. Salut.
Bonne soirée. Est-ce qu'on refait pas une anecdote alors? Vas-y, go. J'avoue. Attends, comment? Vas-y, moi, viens. Bah, je tire. On fait la tienne si tu veux. Attends, mais non, mais je disais dans la chaussette. Oui, ça. Prends ta chaussette. Ah, oui, voilà. Il a changé le contexte. Non, parce que j'en ai d'autres encore, mais bon. Bah, ah, oui, putain, attends, Elian. Tu veux pas raconter ça? Non, ça, c'est exceptionnel. Je sais à quoi tu fais référence. Bah, oui, mais bon. Ok, c'est pas dans la chaussette, mais on s'est rappelé d'une anecdote d'Elian quand on était au début du live là avant que ça commence parce que je pensais qu'il avait mis celle-là. Enfin, en vrai, elle est exceptionnelle. Ouais. Viens, tu veux la raconter ou quoi? T'es pas obligé. Oui, je peux la raconter. Alors, raconte ma gueule. Vas-y, raconte ça. Une anecdote honteuse. Non. Il y a du caca, il y a du caca. Il y a pas de caca. Il y a pas de caca. Il y a pas de caca. Dans le lavabo ? Non, en fait, c'est pas vraiment honteux, mais si tu te mets à sa place, quand tu peux mourir de honte. Hein ? Ouais, à ce moment-là, si tu te remets dans la situation. Même toi qui a dansé, qui a fait, qui a fait le mystère. Y'a pas de lavabo dans ton histoire ? Ah ouais, non mais ça c'est rien à côté. Hein ? Vraiment. Hein ? Là, ce que vous avez vu là, c'est rien du tout. Je pense que même des années qui me restent à vivre, je vivrai pas pire honte, je crois. Ah ouais ? Ouais. Non mais là, t'es obligé de raconter. Attends, Elian, c'est récent ou c'est pas récent ? Non, c'était quand j'avais 18 ans, je venais d'avoir le permis. C'est pas si vieux non plus. Non, non, mais les gars, vous avez 10 ans, frère. On peut pas dire. Oh, bon, en fait, on raconte pas. Ouais, papa, voilà. Quoi ? Bon, allez, on va dire, raconte. On voit, oui, on voit. On veut pas ne pas le dire maintenant. Oui, voilà, on voit la j'en vois. Non, mais en fait, ouais. Je dis que c'était quand j'avais 18 ans que je venais d'avoir le permis parce que je sais que ça s'était passé dans ma première voiture et tout. Enfin, bref. En gros, à cette période-là, je suis en couple. Il y a beaucoup de périodes où je suis en couple. À chaque fois, c'est tout le temps en couple. Et en fait, c'est comme l'anecdote de l'hypnose. Le fait qu'ils sont en couple, ça sert à rien. Non, en fait, rien de vrai. J'allais comprendre. Non, mais la première histoire, ça va rien. Mais j'avoue, ça n'a pas rien. Parce que j'ai dit que je n'avais même pas dit à la personne avec qui j'étais. Mais t'aurais pu dire. Non, c'est pas Joseph, parce qu'à ce moment-là, t'es un prouveur. Non, t'es un prouveur. Voilà, ça a servi. Coco, pour sa défense, cette fois-ci, ça a son importance. Ok, d'accord. Tu vas voir. Tu as très vite le savoir. Et en gros, bon bref, le truc, enfin voilà quoi, tu te chauffes avec ta copine, et en fait au final on doit bouger. Vous le levier de vitesse dans le cul, Ok. Quoi ? Non, mais on est chez elle à ce moment-là. Ah ok. On est chez elle et on devait partir pour l'anniversaire de sa petite nièce. Ah. Et du coup, bah, chantos, mais du coup on va à l'anniversaire. Et tu pars de l'appartement, t'es chaud quoi, ça fait chier. Et ah, arrivé dans la rue, tu vendais bien. Voilà, t'es chaud, ouais, voilà. Il a dit quoi là ? C'est fini, ouais, tu vendais bien quoi. Et du coup, on arrive dans la voiture et moi je conduis. Et elle, non. Et du coup, bah, elle est encore sur ce truc là et moi je suis plus en mode attends, faudrait que je reste concentré sur la route quoi. Elle voulait conduire quoi. Non, ouais. T'as pas compris. Elle voulait piloter, ouais. J'ai pas compris. Elle voulait au moins le levier quoi. Oui, voilà. Au moins, ouais. Voilà. C'est d'être plus subtil. Et du coup, ce qui se passe. Elle voulait juger la vie d'Elian, bon. Elle voulait bien le bouger. Ok. La magie de Noël, oh. Ouais, ouais, j'essaie de respecter la magie de Noël et tout. Attention, mais ta mère qui regarde, on rappelle. C'est tonton doigt là. Une tête de Noël et je redeviens beau. C'est le doigt de tonton là qui se réveille. C'est vrai, doigt tonton. C'est grave. C'est vrai que j'avais oublié que ma mère regarde le live, t'as raison. On embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse. Embrasse fort. Valérie, gros. Ça va. Et bon bref, du coup, on arrive à un stade où je lui dis non, moi c'est pas possible, là faut qu'on s'arrête au bord de la route. Si tu veux continuer ce qui est en train de se passer, faut qu'on s'arrête. Oh, mais comme il a envie de chier quoi, genre. Oui, voilà. On peut pas se retenir, quoi. C'est vraiment pas la même chose quoi. Il a pas dit non, plus tard, on arrive. Non, on s'arrête. Non, mais voilà, quoi, ça fait un petit temps, on roule et je suis en mode, oui, bon allez, on s'arrête. Et là, on s'arrête, et quand on s'arrête, bord de la route, tout se passe bien. Et là, il y a une voiture qui arrive dans mon rétro. C'est horrible. Et non, je me rappelle pas. Qui se met à mon niveau comme ça. En mode, vas-y, s'ils sont arrêtés là, c'est qu'il y a un souci. Il va y avoir un problème. Et ben, du coup, ils s'arrêtent à mon niveau. Et sauf qu'en fait, juste avant, c'était le moment aussi pour moi. C'était là. Comme par hasard. Ouais. Alors, la vidange. Mais c'est vrai. Tu peux l'expliquer ? Moi, je comprends pas ce que c'est. En gros, il a fait la vidange. C'est deux boules qui sont bien remplies. Tu vois le bail du levier ? Non, mais il a spermé quoi, il a spermé. Il y a le doigt expert qui est sorti. Voilà, il y a le doigt expert qui est arrivé. Et moi, du coup, j'étais en plein. Voilà. Sauf qu'en fait, quand je tourne la tête, je vois sa mère. En gros, les petits. Tu te fous de ma gueule. En gros, elle est aussi à l'anniversaire, mais dans la voiture de la grande sœur. Ah. Et du coup, la grande sœur qui, elle. Vous faisiez un anniversaire sur l'autoroute, tout le monde en voiture. Attends, on est sur un petit truc de village. Et donc, la grande sœur qui comprend direct, qui avait pas trop lâché l'accélérateur, qui était quand même arrivé, voilà, à notre niveau. Wow, j'arrive pas. Frère, je revois l'image. Donc elle a compris que les Godaguet sont en train de sortir du dogby, quoi. C'est bon, complètement. Okay. Complètement. Et moi, j'étais là. Elle est bien, ouais. Et sauf que, sur le moment, j'ai un peu eu le dilemme. Vas-y, est-ce que je lui dis, parce que moi, c'est maintenant.
Et du coup, j'ai. Mais je lui ai quand même dit. Je dis, ouais, je vais, chérie, à ta mère. Et sur le tête, elle a levé la tête et on a vu la voiture partir. Et on, le truc, c'est qu'on est allé au même endroit. On allait à l'anniversaire. Ah bah oui. Donc, arrive à l'anniversaire. On regarde sur le parking, on fait quoi et tout, putain, il y en a. Déjà, tu vas te laver les dents, ma grande. Mais elle, elle qui appelle sa mère, qui est en mode, maman, je suis désolé pour ce qui s'est passé, tout ça. La mère qui dit, écoutez, bougez pas, j'arrive. On est sur le parking, on est au loin, on voit le petit anniversaire qui se passe dans le parc. Et dans la foulée, elle appelle sa sœur. Ouais, je suis désolé et tout, il y en a. Sa sœur qui lui dit, me parle même plus, tu travailles avec maman. Elian, ce soir, il dort pas à la maison, j'en ai rien à foutre. Oh, wow. Vous êtes sérieux, vous faites ça et tout, au bord de la route, il y en a. Frère, t'as 18 ans, tu te chauffes, c'est fait partie ah ouais, des petites aventures et tout, voilà, tu vois. C'est parti en cacahuète, c'est parti. Mais frérot, et là, la mère qui arrive et tout. La mère qui arrive, ouais. Ça peut être ça. Jalouse, la mère. Oh là là, je voulais. Oh là. Putain, si je m'en rappelle pas, c'est. Putain, j'attendais l'anniversaire pour l'attaquer, c'est ça. Et là, mais là, du coup, voilà, quoi, la mère qui arrive sur le parking, et frère, j'ai. C'est une situation de fou, parce c'est que quoi, la mère est en mode. Genre, qu'est-ce qui se passe? Non, mais la mère, elle est en mode. Ah. Moi je suis en mode. Ouais, c'est pas grave. Ouais. D'ailleurs, ça arrive à tout le monde de vouloir faire ça. Même à moi, ça m'arrive. Non, mais quand même, c'est un petit clin d'œil. Non, mais quand même, elle nous a fait un peu la morale en mode. Vous avez un appartement pour ça. Pourquoi vous faites ça au bord de la route, tu vois? Genre en mode. Et ouais, du coup, juste, voilà, un moment gênant de. À ce moment-là, l'image de la belle-mère. En fait, cette image-là, ouais, de elle qui s'arrête à côté, pour moi, ça c'est terrible. Bah oui. Je pense que ça reste gravé. Mais surtout qu'en plus, mais ça, c'est pas un il doit y avoir un ralentissement du temps. Tu vois, oui, genre, oui. Ouais. Ouais, putain. Il y a tout. Et tu sais que là, elle peut pas se lever sur le moment parce que du coup, ça, il va comprendre. Mais en même temps, si elle se lève pas, du coup, comment on fait. Enfin, on fait comprendre à l'anniversaire qu'elle était pas dans la voiture. Et tu sais, tu dois décider en une seconde. En plus. Et en même temps, il y a l'acte qui est en train de se faire. Imagine la scène, genre, la meuf s'enlève, il est comme ça à la porte. Il baisse la sotte, t'as le G qui sort quand même. Non, t'as la meuf qui est maman. Le G, hein, vraiment le. Le G. Ah, c'est pas une décapotable, je suis une merde. Je suis une merde, je suis une merde. Non, mais en vrai, je me souviens, vraiment, le truc le plus marquant, c'est vraiment elle qui m'aurait dit. Parce qu'il y a deux vitres, du coup, il y a la mienne et la sienne. Aïe, aïe, aïe. En mode. Oh, genre, en mode, vous avez un problème, la voiture, pourquoi on l'a arrêtée? Elle a eu le temps de vous parler. Elle a quand même fait le. Ça, 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 ça. Et moi, j'étais en mode, genre. Et il est en mode, ça va de fou. Mais tu vas là, eh, ça va de fou, voilà. Non, mais là, frère, j'ai est-ce jamais. Est-ce que dans ta tête, l'image, tu l'as en 4K? Mais bien genre, sûr. T'as tout. T'as... Mais j'ai tout. Et lui, carrément, en finir, il fait jour, tellement il voit bien. C'est genre midi. Non, bien sûr que j'en ai dégommé le plat. Donc c'est vrai, c'est incroyable. Non, mais lui en plus, c'était à Walt. La sauce. Non, non, je pense que c'est non, pas à Walt. Est-ce que, attends, est-ce que quelqu'un a vécu quelque chose de pareil ou plus humiliant que ça? Jamais. Non, sur ce thème-là, c'est horrible. Sur ce thème-là, jamais. Non, là, c'est costaud. Bravo. Bravo, les gens. Bravo, on peut l'applaudir. Parce que c'était même pas l'anecdote de son chapeau. Oui, en plus. J'en ai d'autres, hein. Ok. C'est ton moment. Elian, à qui appartient cette anecdote? Tu vois, t'es goûté dans demain. Ok. J'ai chié dans un costume que mes parents se sont emmerdés à m'acheter et je l'ai déchiré dans la même journée. Magla, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Non mais allez, c'est bon, c'est Magla. J'arrive plus tellement avec celle de Sophie. Oui. Est-ce qu'elle est en bluff ou est-ce que tu t'es fait cramer? De quoi? T'es fait cramer ou t'es en bluff? Redis-le. Parce que j'ai dit, se sont fait chier à m'acheter, non, se sont saignés à m'acheter. Donc un costume. Hein. Ouais, donc c'est un costume. Ouais. Ils se sont saignés pour l'acheter et il a chié dedans. Il a chié dedans et il a déchiré dans la même journée. Et ou elle, hein, du coup. Après, c'est peut-être un bluff. C'est quelqu'un qui a un gros caractère. On a le droit de jouer. Ouais, c'est beaucoup d'histoires de merde. C'est quelqu'un qui a un gros caractère. C'est un costume de super-héros. Donc c'est soit Max, soit Jim. Ça peut être un déguisement. Hein? Non. C'est un caractère, c'est le caractère teigneux, tu vois. Ah, c'est peut-être toi, mais toi, t'es un caractère teigneux. Tu peux pas passer ton temps. Ouais, mais lui, il nous avait donné plein d'anecdotes quand on a fait le tournage avec Théo. Non, mais c'est toi, on sait que c'est toi. Vous voulez que je vous dise? C'est un costume. Elle a trop d'histoires caca. Mais c'est pas un costume. Mais ils se saignaient à acheter un costume de Batman. Ah, ouais, voilà. Du coup, c'est un vrai costume. Bien fait, il coûte cher. Oui, en vrai. Je vous dis le chat ce qu'ils disent. Moi, je pense pour moi, c'est Sid. Franchement, le chat est à quasi 100% sur Sid. Ouais, pour moi c'est ça. J'ai vu passer un doigt, un Manos, un Max, c'est tout. Le tu reste vois, c'est que mais c'est fou toi. Il croit en moi toi. Totalement. Moi je dirais Manos. Tu vois? Ouais, moi je dirais Manos. Moi j'irais Manos. Non, les gars, j'ai beaucoup d'histoires caca, mais là c'est pas WAM. Je suis un peu sur toi. Attends, non, j'ai un contre-argument parce que des histoires caca, Manos il nous en a raconté plein de fois. À l'appel, hein. À l'appel. Après, normalement je la reconnaîtrais, je pense. Mais c'est là, c'est tellement un chien. Est-ce qu'il a encore envie de rester dans le caca? Mais c'est pour ça que je pense pas que ce soit lui. Non, je suis pas caca. Moi je suis pas caca. Frérot, c'est des fous, toi. Non, moi, je pense que c'est Sid. Après, costume, t'as pris des millions. Qui a besoin d'un costume
Enfin, nous, on est des geekos. On met pas trop forcément. Non, alors que Magla, toi, t'es dans la mode. Toi, t'aimes bien être un peu stylé. Tu t'es dit à tes parents pour costume Noël. Costume de Superman. Achetez-moi un costume. Non, un non, costume genre Yves Saint Laurent. Ouais, voilà, c'est un truc de merde. Ça, de Lyon, frérot, j'ai un flash. Mais ça s'est mis à l'âge. Il avait pas envie. C'est un truc qui ses parents le costume Superman de Godwag. Mais oui. Il est arrivé au mariage. Parents, il a... Attends, on parle de quel type de costume? Un costume Superman ou un costume. Le costume Superman de Godwag. Ah, tu penses, c'est ça? Parce que là, c'est pas précisé. C'est la Godwag merde. Moi, mes parents, ils sont super riches. C'est là ma situation. Mais ça, vous pouvez passer les assiettes comme ça. Comme ça, oui, en vrai, Manas, on peut l'enlever parce que ses parents ont toujours été blindés de thunes. Ils n'auraient pas marqué, ils sont sur ses miens. C'est vrai. Non, en vrai, je dis. Comme dans le truc du costume. Et après, attention, ça peut être grim en mode ils se sont saignés à l'acheter, ça peut être grim. Non, mais tu l'aurais raconté sur la vidéo anecdote, elle est incroyable. Ça peut être grim. Mais c'est même pas, ils sont blindés, mais. Lui, c'est un radin. Donc, c'est ici. Ils sont saignés. Moi, je pense que c'est ici parce que ça a l'air d'être un caca nerveux. Attends, attends, parce que depuis tout à l'heure, t'essaies d'orienter les gens vers quelqu'un d'autre. Après, on raconte ton anecdote, frère, en vrai. Non, mais c'est pour ça. C'est dans le crâne, là. Ah ouais? Attends, c'est que. Ah bah ok, bah, je sais pas. Si c'était un vous deux, ça aurait été pire. C'est pas ça, c'est pas ça. Il est bizarre. Non, non, c'est Gotha, c'est Gotha. Mais Gotha, en fait, Gotha, on s'y attend pas. Gotha, c'est Frank. Gotha, c'est Frank Monster, c'est la chaîne T. C'est un mec qui a vu mon blast, putain, je me dis, waouh, quand même. Non, mais je suis pas avec toi, mon gars. Je suis pas dans quelqu'un en discrétion. Les gars, il est en Gotha. Mais ça peut être toi, tu gagnes bien ton jeu. Non, moi, je suis pas dedans. Mais il y a un truc. T'es pas dedans? Non. Peut-être pas. Peut-être en tout cas, pas dans celle-là. C'est le chien du métro. Il y a un truc, moi, que je remarque, c'est qu'il y en a deux qui essaient de pisser dans notre crâne. C'est Jilsi et Dwabi. Je sais pas, ils essaient d'orienter vers d'autres gens. Gotha. Est-ce que parce qu'ils sont honnêtes et frère, j'ai orienté vers personne. En vrai, j'ai orienté vers personne. Mais non, toi, par contre, parce que toi, tu sais, jamais raconté. Non, pour le coup, j'ai pas vraiment. Mais mec, c'est vraiment Gotha, mais tout à l'heure, qui m'accuse moi. Ça peut être toi. Ça peut être. Ça peut être un Grim qui m'a appelé, mais je pense à un. Pour moi, j'ai lu une Grim. C'est les trois. Pour moi, c'est les trois. Non, moi, je dirais Gotha. Bon, bah les frères, de toute façon, c'est Elian qui choisit. C'est Elian. Écoute, pas sur Gotha. Même si c'était Gotha, il l'aurait pas avoué. Mais Gotha, oui, mais Gotha, il avoue jamais que c'est ça. Non, il l'aurait pas avoué cette année. Oui, mais c'est Elise qui l'a mis peut-être. Tu vois, non, mais c'est ce qu'il veut dire ou pas, Elise. Écoutez, mais ça, avant, non, après, il y a un moment, c'est caca. Tout à l'heure, il a dit qu'il avait pas des costumes. Oui, non, c'est Gotha. C'est Gotha caca. Moi, j'y crois pas. Ok, je le connais pour caca. Attention, verdict d'Elian. Je vote pour Dwag. Ouais, la dog c'est merde. C'est pas mal, bien joué. Je pense que c'est la dog merde aussi. Je pense que c'est la dog merde. C'est la dog crotte. T'as un dog couille. Là, on doit lever la main, c'est nous. Ouais. Qui a chié? Qui a chié dans son froc? Qui a chié dans son bain? Ok. Ah, 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 tout le monde a dit non, en fait, je crois que je l'ai déjà raconté à l'époque, mais ça date, j'avais oublié, donc c'est peut-être qu'ils savent pour ça. Ou alors vraiment, ils me voient comme un chien. J'en étais sûr. Moi, c'est plus le côté. Tu l'as fait par vengeance. Tu sais, c'est un acte de vengeance. Parce que ah oui, j'ai chié. Sur moi-même. En mode, ils se sont tués à la journée. Quand t'avais pas envie d'aller à se marier, t'avais pas envie de porter ce costume. Un costume comme ça. Un vrai costume. Il l'a pourri. Il l'a pourri. Il faut que je dise, vous me le rendrez plus jamais. En vrai, t'as ton esprit, enfin, t'as ton chemin, il est pas dégueu, mais c'est pas du tout ça. Vas-y. Je suis victime de ce qui se passe dans cette histoire. Oh non. Ah, je suis victime. Il y a un lutin farceur qui t'a rempli le slip de merde. Il y a ce mec-là. T'as acheté la merde dans le fond. Qui est venu, il a ouvert mon huc, il a chié dedans. Et moi, je suis sorti comme ça. Et toi, t'es en mode, les gars, je comprends pas. Je comprends pas, je vous maîtrise rien. C'est pas moi. J'ai, à l'époque, j'étais pissé dans le crâne. À l'époque, j'ai. T'es nul, toi. Je pense d'avoir 8 ans, tu vois, 7-8 ans. Ah oui. Et en fait, j'avais un spectacle de fin d'année à l'école, en mode chant, petite chorale et tout, et je voulais absolument être bien habillé, tu vois. Et moi, mes parents, à l'époque, ils avaient pas beaucoup d'argent et tout, mais je voulais un costume vraiment trop bien, genre en mode un peu. C'est bleu marine et tout, avec des boutons un peu en doré et tout, et je le voulais de fou, mais à l'époque, il coûtait trop cher pour eux. Et je leur avais dit, s'il vous plaît, ils ont fini par me l'acheter. Le spectacle de fin d'année, il était genre peut-être dans 3 semaines, tu vois. Et je me dis, j'aime trop ce costume-là, et depuis que je suis tout petit, j'ai gardé ce truc, tu sais, quand j'achète des nouveaux vêtements, j'ai envie de les mettre tout de suite. Ouais. Tu vois, ouais. J'ai envie de les mettre là, tu vois. Et tu les mets pendant 2 semaines, genre. Et voilà, et tu le mets, tu vois. Et du coup, genre, je leur dis, laissez-moi juste mettre le costume et tout, j'ai trop envie. Donc je l'essaye, je kiffe, il me va trop bien, je suis trop content. Et genre, je veux plus m'en séparer. Tu sais, je commence à devenir un peu capricieux, mais non, je l'enlèverai pas et tout. Et carrément, je vais jouer au parc avec le costume. Avec le costume. Ah ouais, le costume. Ah, tu kiffes, ouais. Vraiment de mais non, mais en mode, tu sais, genre, c'est ma deuxième peau, je suis Spider-Man. Tu vois, genre, je lâche pas le truc. On t'avait fait une odeur. Genre, tu l'as pas vu, il y a des frobos là-dedans. Tout le monde était en mode, putain, c'est nickel, ça t'a trop bien et tout. Ah, pas comme ce soir en vrai. Exactement. D'ailleurs, j'ai chié là. Mais, et du coup, genre, je joue au parc et tout, et moi, j'ai envie de pisser, tu vois. Je vais derrière un arbre et tout, je me débraguette et tout. Derrière un arbre. Déjà un arbre.
T'as compris quoi? Un contre deux. T'as compris quoi? J'ai compris autre chose. Non, ça c'est, non, ton, ça, c'est ton combat. J'ai compris derrière un arabe. Je me cache derrière un pote. Et je me mets derrière un arbre. Je commence à pisser, tu vois. Mais tu sais, en fait, le costume, comme il était un peu grand, le pantalon, tu sais, je serre la ceinture de fou. Et j'avais la flemme, genre, j'étais très feignant à l'époque. J'avais la flemme d'enlever la ceinture, donc j'ai juste ouvert la braguette. Et donc je pisse, sauf que la ceinture est compresse. Donc je sens que ça sent pas bien, tu vois. Petit gag. Ouais, petit gag de ouf. Petit doigt gosse. Tiens, petit doigt gosse. Vraiment pas, la bise, elle était pas doigt finir, tu vois. Et du coup, tu sais, je pisse mon pisser plus. Et là. Non. Genre, j'entends. Je fais un bruit de space doux. C'était Space Jam. Je fais frère, non. Et tu vois, genre, je sens que c'est chaud et tout. Ça, c'est rempli, c'est chaud. Et je me dis, non, vas-y, bah, j'ai pété ça à grand-mère peut-être. Et vas-y, tu vois, vas-y, c'est dans le délit de fou. Je finis de pisser et tout. Je continue d'aller jouer, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, j'ai juste pété. Et genre, donc, je joue. Et je commence à dire, putain, mais c'est, on dirait que c'était lubrifié, c'est la derme quand même, la derme au milieu des sèches et tout. Voilà. Oh, t'as chaud. La grosse chouquée. Les gars, il y a la bûche qui arrive bientôt. Ouais. Ça va faire plaisir, ça. Et je suis là, tu vois, et je suis sur les petits chevaux. Je suis sur un petit peu. Ah non, mais tu t'es assis dans ta vie. En fait, c'est là que je capte. En fait, je m'assois sur un petit cheval qui est en train de malaxer la merde. Et là, je m'assois et j'entends au fond le. Ouais, t'as mis. Tiens, je sens que. C'est, je sens. Si frais dans son esprit. Mais, oui, mais gros, mais ça m'a trop marre. On l'imagine tellement bien. Ouais, et je suis en mode. Non, mais là, ça y est. Et en fait, tiens, quand, quand tu t'assois, bah, tiens, ton pantalon il se relève. Donc, sauté les chevilles, genre, tu vois. Oh non. Et là, non. En fait, je vois un peu de la dame qui coule. Non, pas ça le coup. Si, ça avait coulé tout le long. Et je vois de la dame en bas de ma cheville qui tombe. Là, je me lève instant. Parce qu'il y avait mes potes et tout, tu vois. Je me lève instant, je fais bon, moi, je vais aller et tout. Je vais y aller. Tiens, ils sont en mode. Les gars, il y a moins de temps pour ça. Excusez-moi, j'y vais. Là, je leur dis, j'ai un live à 20h. Il y a mon mototaxi qui est arrivé. T'as de la dorme à la cheville, tu vas aller nulle part. Et frère, je suis là, tout, je dis, il faut que je parte, il faut que je rentre et tout. Et ils sont en mode, attends, on vient d'arriver, tout, et je pars. Et en fait, genre, du coup, je pars et je sais que je me suis chié dessus, tu vois. Et du coup, je marche un peu en canard, mais vite. Et en plus, c'était une montée. Donc, je marche vite en canard comme ça pour rentrer. Et en fait, ils ont trouvé un truc chelou chez moi, les gars. Donc, et je me retourne, ils sont en train de me suivre. Ils disent, ils sont en train de nous cacher un truc, tu vois. Donc, ils me suivent. Il va avoir une meuf, il va avoir une meuf. 8 ans. Bah, je pense qu'il va avoir une meuf, viens, on le suit. Mais tu vois, peut-être, ils disent, attends, il va contre sa propre merde. Et du coup, je le vois, je commence à courir pour pas qu'il me rattrape. Ah bah non, mais. Je cours aussi. Je tourne, je tombe. Le costume se déchire en entrejambes. Toute la dame qui passe dans tout. Et je me retrouve vraiment genre. Mais c'est quoi? Par terre comme ça, 8 ans tout seul dans la rue avec le costume en costard ouvert plein de chiasses. Et je suis en mode. Je me mets à pleurer. Là, je pense que. Parce que t'as jamais été aussi bas dans ta vie qu'à ce moment-là. J'ai jamais connu aussi pire que ça après. Ah, oh non. Ouais, mon anecdote du costume. Attends, vous préférez incroyable. Vivre ce que Dilsé a vécu ou ce que. Bah non, mais non, c'est Dilsé, je préfère Dilsé. En fait, c'est un peu dans ça. Je préfère encore me chier dessus. Je préfère. Tu dis maladie, je préfère même moi ça là. Parce que je peux te dire qu'avec du recul. J'ai un peu avec moins de trucs avec du recul, tu vois. Mais sur le moment, frère. Pendant 3 mois, ça a été l'histoire dans mon village. Moi, c'est relou, mais lui, c'est. Non, mais en fait, ça avec du recul, c'est drôle. C'est marrant, et lui, ça implique des gens. Lui, c'est drôle. Ah, c'est dur. Mais j'aime beaucoup. Niveau storytelling, bravo, parce qu'on avait tous les éléments bien détaillés. J'avais le film dans ma tête. J'avais le film. J'avais tout. Genre la montée quand il montait et tout. Le bruit des pralines et tout. Moi, j'étais un des potes dans le parc. J'étais sur la merde. La team, la bûche est prête. Je vous propose qu'on fasse une dernière chaussette. Il y en a qui n'ont pas fait. Et après, on reçoit le gâteau. T'as pas fait? Vas-y, go. Fait, je crois. J'ai eu un accident de snowboard, la personne a porté plainte 10 ans après. 10 ans. Bon, 10 ans, c'est quelqu'un de très vieux déjà. Quoi? Et de... C'est un connard surtout, frère. 10 ans après. Ok, c'est Elian, il a encore. C'est un connard. Il vient d'apprendre, il a porté plainte. Ouais. Quoi? Attends, mais 10 ans, faut être vraiment. Moi, j'ai un plan. Manas, tes parents, ils sont très très riches. Moi, je pense que c'est Manas. Parce que Manas, j'ai une théorie. Il a une bonne théorie. Il a dit ses parents, ils sont très très riches, donc il a pu faire du snow. Et il est très vieux aussi. Non, donc il a pu. En fait, t'as les deux en vrai. Mec, déjà. Attendez, les gars, on va faire par élimination. Qui, déjà, quand il était jeune, il pouvait aller faire du ski? Moi, de fou. Voilà. Bah moi non. Moi j'ai jamais fait de ski. J'en ai fait moi. Lève la main du coup bien haut, fièrement. Ouais. Train live tout ça. Non, c'est non, mais c'est pas vrai. Regarde, il y a Doig qui lève la main. Moi je pense que c'est Doig. Moi j'ai fait du ski moi. Frère, c'est Doig. Attends, t'as des skis où toi? Tu fais ce truc comme ça là où tu vas à droite gauche.
Comment ça s'appelle? Non, tu fais pas du snow, toi. Mais il fait son nom. Non, j'ai jamais fait de snow, par contre. Vous voulez l'avis du chat? On va vous aiguiller. T'as fait où, toi? Non, mais c'est moi, j'étais un mec. T'as une pépé, je crois. T'as une pépé sur un snow, je crois. Faut avoir le nom du mec. J'ai une photo de toi du buzz, donc pas Manas. Sur un snow sans pas Elian, pas moi. C'est pas bête. Là, tu t'as une photo de toi que je vais pas faire. Mais comment tu portes ça? Après, Gossa t'attaque direct, Mais oui, tu vois, c'est lui. Les frères, le chat, il est divisé en deux. Il est divisé en Gotha et Manas. Mais Gotha, là, c'est la première fois qu'il a attaqué aussi vite, aussi fort. Il a attaqué direct. Tu fais pas de buzz. Gotha, il a du buzz. Gotha, il a du buzz. Très réflexion. Et attention, parce que Gotha est un vrai tryharder. Je vous jure que tout à l'heure, dans les coulisses, il essayait de savoir à qui j'avais le secret Santa. Il tryhardait en mode ok, si tu veux pas me dire, c'est forcément que c'est quelqu'un que je connais, donc ça peut être Wag. Il a tryhardé ça. Après, il y avait vraiment. Il veut vraiment pas qu'on sache si c'est lui son anecdote. Il y avait vraiment les noms, c'est Gotha. Pour moi, c'est Gotha. Donc peut-être que c'est Gotha pour ça. Il y a 10 ans, il jouait à Call of, frère. C'était Prime. C'était vrai. Non, c'était pas il y a 10 ans après. C'est vrai qu'il avait pas de. Non, mais c'est vrai. Attends, il y a 10 ans, Gotha, il faisait pas de snow. Non, mais c'est pour ça. Il faisait des 50 mots. Il peut pas partir 5 minutes. C'était 10 ans après la porte. Oui, donc c'est forcément il y a 10 ans. Il y a forcément 10 ans. Il y a 10 ans, je jouais à Code. Il y a 20 ans et du coup il a porté plein de trucs. Il faisait du snow sur Steam. Ouais, mais est-ce qu'il savait faire du snow? Peut-être c'est un mec dans Steam qui a porté plein de trucs. Sur ton RP, sur ton jeu, il a pas pris un snow. C'est vrai ça. Ça peut être ça. Mais non. Ça peut être en RP jeu, ouais. Bon, bah de toute façon, c'est qui a ouvert? C'est Grim. Grim, frérot, c'est à toi de décider. Manas. C'est pas moi, mais c'est pas moi, t'as l'air con. Bah je vais raconter du coup dans le doute. Voilà. Il a le seum, je connais Manas, il a premier degré le seum. Putain, je voulais trop lui pisser dans le cou. Non mais tu sais que je l'ai cramé premier degré. En fait, j'ai vu son regard, il était en mode. En fait, ton visage était trahi trop dans ce moment. Lequel? Celui-là, là. Ouais. La petite bouille, là. Non, en gros, vas-y, je vais pas dire la station et tout, parce que du coup, bah, il y a eu une plainte. Tu vois, en fait, le procès est encore en cours. Il a plus redemandé. Non, ah bon? Bah, quasiment. C'est pas en cours, enfin, vas-y, je dis pas où. En gros, du coup, je pars au ski avec mes parents. Donc, je pars du. Orsières, en vrai. Riche, okay. Ah, bah, il a dit, bah, ouais. Riche aussi. Du coup, je pars faire du snow avec mes parents, donc mon frère et tout. Et un jour, comme ça, genre, je me retrouve seul. Et je dois rentrer au chalet, parce que oui, papa a un chalet. Ah oui, okay, chalet. Bah, oui. Ah, pardon. Papa a un chalet, excusez-moi, permettez-moi. Mais papa a mis les chaînes sur la Porsche et puis on allait au chalet. Papa a mis les chaînes sur la Porsche, mais tu connais l'histoire. Je pense que c'est vrai ce que t'as dit. Oui, parce que papa... Oui. Parce que ça se voyait que c'était vrai quand il a dit. C'est vrai, papa a deux Porsche, mais c'est aucun rapport. C'est drôle. C'est drôle les gens qui assument. Ouais. C'est fou. Mon papa a deux Porsche, oui. Parce qu'en fait, il y a des gens qui assument d'être en galère, mais t'en as pas beaucoup qui assument d'être riche. Ceux qui sont riches veulent trop faire. Ah, je connais la galère. Je mangeais des cailloux. Tout le monde, bah oui, t'as pas eu la galère. Du coup, je me retrouve en bas des pistes. Donc là, il est genre 17h et il faut que je remonte au chalet. Là, t'as ma daronne et mon daron qui disent on va aller acheter du saucisson, machin et tout. Tiens, prends les petites courses et remonte au chalet. Là, t'as mon frère et ma soeur qui partent aux arcades, les petits jeux vidéo et tout. Et moi, je suis en mode ok, on me laisse seul. Je commence à taper une personne, deux personnes, faux ça. Non, j'ai menti. Je me dis. T'avais quel âge? J'avais 13 ans. Parce que c'était il y a 13 ans en vrai. T'as 26 ans? Je me suis trompé dans le truc, c'était il y a 13 ans, donc j'avais 13 ans. Non, mais elle a pas 10 ans plus tard. Procès, oui, oui, mais justement, c'est plus tard. C'est plus tard. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'il faut pour aller au chalet vu que j'ai pas de voiture? Faut que je prenne la navette. Je marche pipou comme ça, avec mon petit snow à la main, et les courses, tu vois. Tout petit snow, il est tout petit snow, à finir tech. Et du coup, genre, je monte dans la navette, et en fait, genre, vu que j'ai le snow, mes gants et toutes les courses chiantes de fou, je monte, je marche pour trouver ma place, tu vois. Et là, d'un coup, en fait, la neige commence à fondre sur le snow, tu vois. Et en fait, je marche, j'arrive à ma place, et je vais pour m'asseoir, et là, t'as mon snow qui fait. Qui me lâche des mains et qui se plante dans le visage d'une meuf. Ah oui, d'accord. Oh, non. C'est vraiment full vrai. Non, mais c'est. Attends, détail. Mais c'est tranché. Bah oui. Écoute, là, du coup, la meuf, elle est comme ça. La meuf, elle est comme ça, elle a un snow. Ah, c'est planté. Je lui fais déjà, rends-moi mon snow avant que je te lève. Comme ça. Je reprends mon snow. Et là, bon, vas-y. Non, tu te doutes, du sang et tout. Tu te doutes que c'était ancré. En fait, ça l'a planté là. En fait, ça l'a planté, mais c'est l'arcade. C'est l'arcade. Donc l'arcade, en fait, même. Ah bah ça va alors. Oui, voilà. Et le plan, il est trop stylé. Regarde comme t'es beau. Oh, c'est vrai. Ah ouais. Et du coup, genre, ça plante l'arcade. Et moi, j'enlève mon snow parce que je me dis, j'ai juste. En fait, c'est un réflexe. Mon snow est tombé. Et c'est tombé. Déjà, lâche ça, en vrai, de vrai. Et en fait, au moment où je retire, ça commence à gicler, tu vois, beaucoup, beaucoup trop. Ça a bien giclé, ouais. Et là, je commence à être en panique parce que j'ai 13 ans. C'est l'histoire d'Elion. Attends, il y avait Elion, là. C'est pas... Non, ça peut être... Et du coup, moi, je suis en PLS parce que je me dis... Comment t'as fait? En fait, genre, il faut que je retourne au chalet de papa, tu vois. Et du coup, je reprends le snow et en fait, là, je vois du sang partout et en fait, j'ai déjà une phobie du sang pour une autre histoire, machin.
Et du coup, là, je commence à être en panique parce que du coup, t'as vraiment toute la navette qui se met à dos contre moi. En mode, j'ai fait un truc de fou. Attends, mais t'as. C'est pas ta faute, mais oui. J'ai fait un truc de fou. T'as pas expliqué vraiment visuellement, ça ressemble à quoi la meuf là? Bah, c'est vraiment genre une meuf. Elle est scalpée, elle est scalpée. En fait, c'est ouvert de genre là à là, tu vois. Aïe, 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 aïe. C'est un peu ouvert. Ah, ça me dégoûte. Et du coup, moi, je récupère les trucs et tout. Et là, je suis en panique parce que t'as toute la navette qui commence à m'insulter de fou. Comme si j'avais fait exprès, tu vois. Alors que c'est vraiment un accident, j'ai 13 ans. J'aurais porté plainte aussi. Non, mais j'ai 13 ans, je suis en PLS, mec. Oui. Moi, je me dis, attends, ça y est. Mais en fait, moi, la vraie question, c'est pourquoi elle a attendu 10 ans pour porter plainte. Non, mais tu vois, parce que justement, elle a perdu un bout de jeu. C'est fini pour moi, c'est fini. Et en fait, t'as le chauffeur qui vient parce que du coup, t'entends des gros bruits de fou parce qu'on n'avait même pas démarré, tu vois. T'as le chauffeur qui vient qui commence à me prendre par le callback. Et genre, il me tient et il me lâche pas, tu vois, comme si j'allais partir en courant avec le snow et tout, tu vois. Et du coup, genre, il me dépose à mon arrêt, et là, t'as le chauffeur qui descend avec la meuf et tout. Et la meuf, elle travaillait dans un resto juste à côté. Du coup, elle, elle va en panique. Mais elle, elle avait quel âge? Je pense qu'elle avait 25 ans, je pense, en vrai. La salope. Mais putain, mais dis-lui. Non, mais c'est gratuit. Et en fait, elle dit son âge, c'était gratuit. C'est que du coup, moi, je suis en PLS parce que j'arrive chez moi, je suis en panique, il y a des mecs qui me tiennent parce que je pourrais rien faire. À ce moment-là, je crois que j'ai même pas de téléphone, j'appelle pas mes parents et tout, j'attends qu'ils reviennent. Et entre-temps, t'as la meuf du coup qui rentre dans son restaurant parce que c'était une serveuse. Donc ils lui font les premiers soins. Elle part aux urgences du point chaud, tu vois, genre t'as un petit truc pour y aller. Et moi, j'attends comme un con. Elle me fait perdre mon temps de fou. Et parce que j'avais de la luge à 16h avec elle les potes, chier, tu vois. Quand même. Et en fait, elle revient des urgences avec, tu sais, genre des points américains, là, l'esprit, ouais, tu vois. Parce qu'en fait, elle avait pas besoin de faire des points américains. Ouais. On appelle ça comme ça. Tu sais, c'est des petits straps blancs, là. Elle avait pas besoin de faire des vrais points. C'est ça. C'est bon. Et du coup, genre. Tu sais, on suit l'histoire et tout pendant 2-3 ans, au cas où, tu vois, parce que mon père, il avait fait les choses bien, il a dit, mais si jamais il y a des séquelles, on est là, tu vois. Il l'a follow sur Insta. Il l'a follow sur Insta, il l'a... Il a baisé sa mère, une galère. Il a une galère. Pour suivre l'affaire. Et du coup, genre, elle dit, ouais, je porterai pas plainte parce qu'il y aura pas de séquelles, machin et tout, parce que le médecin, il lui dit, il y aura rien, tu vois. Okay. Du coup, elle porte pas plainte, machin et tout, et là, il y a 4 ans, elle revient avec une plainte, mais genre un dossier comme ça, back to back. En mode j'ai des séquelles de malade mental et tout, malade mental. Je suis devenu conne, je m'en suis genre, non mais elle nous envoie des photos, elle a dû avoir des galères son photo, enfin et... son visage n'a rien. Oh. Et je pense que c'est parce que papa a un chalet. Et en fait du coup elle mais se rappelle de ça. Elle a capté qu'il y avait et un chalet. Je pense que c'est pour je pense ça. Elle est arrivée à un moment peut-être sa vie elle était en galère de sous, ouais, et elle s'est dit bah attends c'est ça. En fait elle est revenue avec sa Porsche. Voilà, l'autre était avec la chaîne. Je prends les deux. Il y avait les chaînes de la Porsche, six mois et tout. 6 mois après il y avait rien. Vous avez suivi l'Insta, vous avez screené toutes les photos Insta. Mais c'est ça. Si tu nous écoutes en vrai. Vas-y. Tu vas prendre diffamation, tu vas prendre diffamation. Non, attention, ça va se rajouter au dossier après. Mais là c'est je suis Domingo. Mais là c'est clos, l'affaire est finie. Ah ouais, l'affaire est clos. Elle a gagné ou elle a perdu? Est-ce qu'il reste une chaussette qu'on n'a pas ouverte? Moi, j'ai pas ouvert. Il y en a deux ou trois. Hein. Ouais, Magla, Don Bill. Moi, il reste encore des chaussettes. Séphie. Ok, Séphie, go. Séphie, lis-nous ta chaussette. Je me suis fait épiler le sif et c'était une abonnée. Et c'était une abonnée? Une abonnée. C'est quoi le sif? Le sif, c'est le. C'est toi, écoute-moi. C'est le trou de balle. Mais pourquoi? Attends, est-ce que tu penses que Dogby, c'est un mec à se faire épiler le sif? Ouais, d'où? Ouais, d'où? Non, mais c'est sûr. Au laser, carrément. Au laser. Toi, t'as un mec du laser, donc. C'est toi, non, impossible. Gotha. C'est impossible. Non, mais il m'a demandé à deux fois. Attends, attends, c'est Magla, elle est passive. C'est toi. Tu crois que je me fais épiler le sif, moi? Bah, peut-être. Il y a peut-être un moment. En fait, même si c'est Magla, je sais jamais. Jamais je prends pas le sif. Pour moi, c'est Gotha. En fait, avec les non-restants. Toi, c'est toi. En fait, avec les non-restants, c'est très bizarre. Par défaut, moi, je suis sur Magla. Moi aussi. Il reste aussi Grim, hein. Ouais, parce que maintenant. Je sais pas. Quand la question a été posée, il a fait c'est quoi le sif? Non, mais attends, c'est un bon bluffeur. Après, Magla, le bluffeur. Pour le coup, je pense. Non, après, il y a plein de mecs qui connaissent ce sif. Pour moi, c'est du Dwagby. Après, tu penses que ça va parler de Dwagby? C'est du Magla. Mais frère, je vais pas parler de mon cul en live. Je vous dis, là, il est 4. Elle parle de son trou du cul en live. Mais je vais pas parler de mon cul en live, c'est bizarre. C'est pas le trou du cul, le sif. C'est le silon intercutable. C'est vraiment la nuit, frère. Donc, ça dit Grim Cuge ou Magla. Ça dit ça dans le chat. Ah bah, c'est super, le chat. Il reste qui levait la main? Moi, je veux bien le Gotha. En fait, il avait pas de mon cul. Non, non, t'as déjà été. Mais non, c'est toi. Non. Oui, non. Non, il reste pas toi. Il reste pas toi. Moi, je dis c'est Dwag. Non, mais on dit qui reste en anecdote. C'est un des deux. J'avais fait le chat dessus, c'est pas moi. Donc, il reste nous quatre. Non, c'est vous trois, Magla, ouais. Ouais, il reste vous trois, Magla. Pour moi, c'est Dwag. C'est pas Gotha, c'est pas Grim. Moi, je t'entends contre un Palgar, c'est Gotha. Non, c'est Dwag. Non, les gars, les gars. C'est Dwag, frère. Non, non, moi je pense que c'est impossible, c'est Dwag. Je pense que c'est toi. Bah... Regardez, c'est attends, non, regardez, non, Gotha, Gotha. Si t'élimines Gotha, si t'élimines Dwagby, moi je te dis, j'élimine Grim. Franchement, c'est pas lui.
Mon prénom, c'est Dwag. C'est Dwag. Donc c'est qu'il reste non, que Magla. C'est Dwag. Il prend soin de lui, regarde ce petit minois là. Mais bien sûr. C'est vrai qu'il fait des contours. En vrai, c'est Magla. On lève la main au ciel, pardon. C'est Magla. Écoute, change de vote, c'est Dwag. C'est à toi de nous répondre. Est-ce que Magla a des poils à des endroits. C'est pour trouver, désolé, c'est un amant. C'est dans le cadre de l'enquête. Alors que Dwag, on est sûr qu'il y en a. Oui. Donc j'ai envie de te dire. On est sûr que c'est un bouseau là-dedans. Là, on est sûr qu'il y a du taf. On sait que c'est un Dwag merdi là-dedans, il y a pas de doute. pas de doute. Bon, qui a lu le qui a lu la c'est OK, Séfi. Dis-nous. Séfi, s'il veut être Magla. Aïe. C'est qui sait quelque chose. Aïe. Magla. Maglou, raconte. Bof. Il se peut qu'un jour, j'ai pris rendez-vous. Eh ben c'est sûr. Bah oui, j'ai pris rendez-vous dans un cabinet d'esthéticienne pour me faire une intégrale maillot cifre. Ah, oh, moi aussi. Oui, bah ouais. Je t'ai croisé d'ailleurs. Non, mais en vrai, c'est un truc que vous avez déjà fait ou pas? Il y a trois deux. Vous avez jamais fait? J'ai jamais fait. Il y a trois deux pour Bastien. Vous avez jamais fait? Ah, il remonte, t'as vu? Ouais, moi, je suis trop introverti, je pense, pour être en mode. Ouais, pareil. Jean Mécart, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Non, frère, le pied. J'ai vu la map que t'as fait hier. Elle te fout à quatre pattes. C'est pire. Elle te fout à quatre pattes. Ah, petit signe, gars. C'est le truc le plus humiliant du monde. T'es à quatre pattes, on t'épile le cul. Oh. C'est archi humiliant. Après, tu mets sur la tête. Mais là, c'est pour les implants. Après, tu fais une pause. Et toi, toi, t'aimes pas les massages déjà. Imagine. Ouais, non, là, tu détesterais. Non, tu haïrais. Toi, t'aurais pu le faire. Là, non. Ok, top. Ah ouais. Oui, la team, est-ce que vous avez bien mangé? Très bien, ouais. Alors j'ai envie qu'on aille là-bas pour finir le live et faire le Secret Santa et tout, mais le truc c'est qu'on va laisser nos chaussettes ici. Donc ceux qui ont encore des chaussettes, n'hésitez pas à les prendre si vous voulez. Mais c'est pas dit qu'on les fasse parce qu'après on va pas vous garder 1000 ans non plus. Oh non, mais nous on veut les faire, au pire on les fait vite. Ok, ok. Ah oui. Ok. T'as les tracés, non? Okay. Au pire on les trace, on les fait là-bas. On va passer bientôt au cadeau. Ah mais attends, la poubelle c'est peut-être moi parce que moi j'avais pas de paquet cadeau. Non. C'est ces filles qui arrivent avec le cadeau. Quelqu'un qui aime vraiment bien avec ça. C'est un vrai choix d'emballage. Ah, je préfère venir sans rien avec ça. C'est un vrai choix de DA. C'est un vrai choix. Non, il était vraiment. T'inquiète. Hâte de voir. Non, c'est Man Twitch. Non, en gros, ce qui va se passer, on a encore une petite chaussette, on peut se la faire vite fait. Et après, on va faire le Secret Santa. Donc, chacun a fait un cadeau à quelqu'un d'autre, mais on sait pas qui a. Attends, je traduis pour les followers en chat. Flush, te gluche, t'as la ref ou pas? J'ai rigolé pour quand je t'écris. Moi, j'ai kiffé de fou. Quel connard, mais c'est vrai que c'était drôle. Il est long, ce sapin, il y a qu'une branche. Pourquoi il est long comme ça? Il ne voit pas la cam, il ne voit pas la cam. Ok, dommage. Il a l'envers surtout. Croyez-moi sur parole. Allegato. Oh, Allegato. Ok, vas-y, raconte. Raconte Dwag. J'ai fait une interview de 15 minutes pour un grand journal et ils n'ont gardé que deux mots. Gotaga. Et franchement. Gotaga. Et franchement, les gars, vous êtes super chauds parce que c'est absolument pas moi. Ok, cool. Bah, c'est Grim. Ah, bah non, c'est toi alors. C'est toi qui l'avais. Ah, oh, c'est Grim. C'est Grim. Aïe. Gotaga. Ok, Grim, vas-y, raconte. C'est toi? Attends, mais elle va être super rapide, les deux mots. C'est moi. Quoi? On veut la chanson des gens. Non, Elian ne chante pas en live. Non, genre, bah attends, j'ai raconté. En gros, moi, vous voyez, comme vous avez dit au début, sur Twitter, des fois, je débite quand je parle cinéma, j'aime bien. Tu sais, c'est l'exercice de l'écriture en mode j'essaye de mettre des mots un peu si, je me dis, ouais, ça se passe bien, tu mets des mots. Okay. Et un jour, j'ai reçu un mail de Télérama en mode ouais, salut, on a vu que tu parles cinéma. Une fois, t'as parlé d'Agnès Varda. C'est toujours, ça revient toujours à Agnès Varda. C'est un calme. Oui. Et là, du coup, j'étais en mode. Moi, une anecdote avec Agnès Varda, j'ai l'impression. Et j'étais en mode, ok. Ils me disent, ouais, on a vu, t'as parlé de son cinéma un peu vite fait. Là, on est en train de faire une rétrospective sur elle. Est-ce que ça te dirait d'échanger quelques mots en interview au téléphone? Et tu seras dans le journal. J'étais en mode, ok. Cool. Ça m'appelle en mode. La musique est un peu forte. Ouais, j'avais une rubrique. Genre, tu sais, j'étais pas en mode une double page non plus, mais j'étais en mode, il y aura un bon 10-15 lignes sur. En plus, Télérama, c'est stylé quand même. Mais en plus, tu sais, il y a mon blague, j'ai dit, papa, je suis dans Télérama. Il reviendra pas. Il est blanc, donc ça marche pas ta blague raciste. Non. J'ai juste dit, il reviendra pas. En fait, ça laisse place à beaucoup d'interprétations, cette blague. Juste dit, il reviendra pas, comme la plupart des pères qui abandonnent leurs enfants. Moi, j'avais ça par exemple. J'ai rigolé, j'avais un autre. Moi, j'avais un autre truc. Parce que tu as rien dit, les Corses, j'ai couteau et. Ah non, c'est pas ça. T'as entièrement raison. Voilà. On a des. Mais non, du coup, je suis en mode, waouh, peut-être tu auras 15 lignes, 20 lignes, oui. Une page, pff, qui sait, dans Télérama, hop, j'ai l'appel à 8h vendredi matin,
Je parle en plus. Oh, franchement, j'ai bien parlé, j'ai fait le proverbe, j'ai dit. Non, mais tu débites. Ouais, ça me rappelle un peu Ingmar Bergman. Il y a des thématiques abordées, j'aime bien. Nanana, après, ça t'as dit n'importe quoi. C'est possible. Non, franchement. Ça trop... t'as dit beaucoup de choses, mais pas concrètes. Ah, peut-être il m'a menti. Tu sais, je parlais bien à la fin, on a parlé vraiment un quart d'heure, 20 minutes. Il m'a dit, ok, c'était parfait, bah, je te dirai quand l'article il sort. C'est ça à chaque fois. C'est jamais arrivé qu'ils disent, franchement, c'était pas fou. Ouais, oui, on va voir ce qu'on peut. Et là, je suis en mode. Oh, le classique. Oh là là. Là, tu pars de là en disant, là, là j'ai pris une masterclass sur. Mais là, Cinérama. Qu'est-ce que c'est dur ces moments-là? Tu te dis, putain, j'étais bon là. Et ouais, là, ça prend pas du tout. Coupé au montage. Et là, il m'envoie le mail en mode, yo, c'est bon, le journal est disponible, il y a ton passage et tout dedans. Tu peux lire. Et là, je suis en mode, let's go. Là, je lis. Je descends et là, il y a Agnès Varda. Agnès Varda. Le deux. Je descends, je vois journaliste, je me dis normal, c'est eux les experts, normal, ils sont avant. Moi, je suis là en mode influenceur de con. Là, je descends et là, je vois. Et il s'intéresse aussi, les plus jeunes. Grim Cujo, influenceur, 22 ans. Les signes d'Agnès Varda sont vraiment bien. Voilà. Non. Dans certains trucs comme ça. Oh là là. Attends, je crois même que c'était un truc, genre, une phrase, mais genre dans l'article. Comme le rappelle le streamer Grim Cujo ou un truc comme ça. Oh, pire encore. Est-ce que tu l'as dit en plus cette phrase où ils ont un peu romané? Je l'ai dit, tu sais, mais en gros, c'est vraiment genre, je dis une phrase sur le quart d'heure, tu vois. On dirait plus sous magazine, c'est vraiment. J'ai pu faire le mettre en mode. Elle a une manière d'aborder le féminisme à la caméra, elle va te. M'amener vers un chemin, ensuite, hop, elle te surprend dans la mise en scène. Mm. Et lors du. Ouais, Varda, c'est cool. Ce que vous avez dit, ouais, c'est cool. Vraiment bien. Agnès, sympa, cool. Propre, c'est quoi ce poulet? Propre. C'est quoi ce poulet? Agnès Varda propre. Masterclass banger. Comme le dit le Twitos Grim qui joue, c'est quoi ce poulet, Agnès Varda? ils voulaient ça de lui. Ils veulent avoir ce truc. Ils l'ont pas eu, du coup ils ont dit. Putain. Tu sais qui reste, vas-y, maintenant, tu veux dire ton truc. Quand tu m'as défini, t'en as jamais vu assez en fait. C'est toi. Tu découvres un mec, tu découvres du nouveau. Non, mais c'est cramé que c'est moi ça. Vas-y, Manas, lis ton anecdote. J'ai failli être gendarme. Quoi? Doag. Non, c'est pas en Call of Duty. Doag. Ah, Doag. C'est vrai que Doag, il a un petit côté brave. C'est vrai que Doag, t'as un petit côté brave. Oui. Mais est-ce que. Alors, au minimum, tu sais, sur tes ferroviaires quand il est. Est-ce que si vous l'aviez eu. Est-ce que tu vois, c'est quand il est dès le début. Arrête de courir, toi. Ouais, exactement. Si vous l'aviez eu dès le début, je pense qu'on aurait pu tomber sur un deal ou quoi, tu vois, non. J'ai failli être gendarme, l'anecdote. Parce que dans le fait, on a pas passé mon concours de gendarme pour le coup, moi. Moi, j'ai passé tous les tests. Oui, étonnamment, physique et compagnie à l'époque, j'étais non, en très bonne forme. On a vu ta nouvelle PP sur Twitter, t'inquiète. C'était une époque, enfin, c'est une époque où je me cherchais, je voulais autre chose, tu sais, je commençais à me diriger vers des métiers de bureau, je me suis dit, allez, pourquoi pas. À cette époque-là, je devais avoir 18. Ah oui, c'est vrai. Okay. T'étais à ton prime vrai. League of Legends, non? Ouais, j'étais bien sur League of Legends. Tu m'en fais déjà? Je crois que je commençais à stream mouiller, mais tu t'as tes 8 viewers à l'heure. Stream mouiller? C'était vraiment pourquoi le tout début, mais non, du coup j'avais ça en parallèle. Comment tu streamouilles? Mais ce qui est étonnant, c'est pourquoi je ne suis pas, en tout cas, pourquoi je n'ai pas réussi. Parce que t'as raté. Parce que t'as fait de la tôle. J'ai réussi tous les tests, sauf le dernier, ou alors peut-être c'est le dernier, mais je crois que c'est le dernier. En gros, t'as une réunion avec 4-5 personnes, c'est le jury. Et du coup, ils te font passer un peu. Alors, test psychologie, tu l'as déjà fait, test physique, tu l'as déjà fait, ils te font passer un peu test de dernière minute, une sorte d'entretien, quoi. Et ils m'ont posé un sujet. Et pour moi, je pensais avoir répondu correctement, et il s'avère que c'est ça qui a été bloquant. Je vais vous juste poser le sujet, et on va voir, on va voir si quelqu'un aura potentiellement la réponse qu'eux attendaient. Il m'a posé un cas de figure, il m'a dit « Tu fais quoi si tu es en patrouille avec deux de tes collègues, et là vous arrivez sur une situation où il y a un chien, mais il est fou. Oh, tu arrives, le chien est fou. Est-ce que tu le butes? Qu'est-ce que tu fais tout de suite comme ça? Je le bute. Ouais. Attends, le contexte, c'était juste. Il est là, t'arrives, oui, t'as un chien fou. Non, il a l'air agressif envers tout le monde, personne le. Non, mais n'oublie pas que tu es des forces de l'ordre et tu viens intervenir. Donc là, tu. Donc, mais le chien, que tu t'as pas attaqué, rien. Juste non, mais il a l'air agressif et il y a une école pas loin, il y a peut-être des enfants aller, peut-être à 500 mètres. Il y a un moment, faut peut-être le buter en vrai. Non, à basket au golet. Tu le calmes, j'ai vu Harry Potter, tu le calmes, tu baisses ta tête et tu fais ok, calme-toi. Tu lui donnes un Scooby Snack. Non, mais t'essayes de le calmer, mais tu parles. Vraiment, il a sa cervelle là. Non, mais tu peux pas le calmer, il est fou. Tu les crazy ones. Et tu l'attrapes. Faut l'attraper le museau. Le museau. Non, mais c'est bon, vous êtes trois, vous êtes en patrouille, vous êtes trois. Ah, c'est bon, tu le tases et tu fais le chien. Le chien. Mais défini. Le chien est comme ça, il est mieux, mais il a l'air d'être super agressif. Nous, on a chopé un chien. Il a attaqué personne. Il a attaqué personne. Pour le moment, non, il a attaqué personne. Non, non. Mais il commence à se diriger vers. Il s'éloigne et tout. Ouais, par contre, ouais. C'est du gendarme. Mais les gars, vous êtes trois gendarmes.
Bah, tu lui fais une clé de bras et tu le maintiens en jeu. Tu lui donnes à bouffer, tu lui donnes à bouffer, mais avec un truc qui l'endort, tu vois, qu'il... Mais c'est bon, hein, tu sors bien. 3-6 dans sa merde. Ok, qu'est-ce que t'as répondu? Gotha, tu ne peux pas être gendarme. Elion, tu ne peux pas être gendarme. Maga, tu peux être gendarme. Il y en a qu'un ici, c'est lui. Ouais, il faut le je comprends. Ils m'ont dit, frérot, non, il faut, pas réfléchir, faut tirer. Il représente un danger moi, j'étais pour toi, pour les autres. Attention, j'étais quand même à combien de distance avec un potentiel. Ils m'ont dit, mais frérot, tu réfléchis. Bah oui, tu cherches pas à comprendre. Et en vrai, je pense qu'ils voulaient juste tester l'autorité. Et ils ont vu que nous, on était des gens qui pensaient trop, tu vois. Ils m'ont dit, mais c'est pas des gens comme ça. C'est pas en fait, il n'est pas très sale clef. Oui, mais en fait, je pense que si le chien, il est agressif et que déjà, en vrai, là, on dit, on est trois gendarmes, mais pour maîtriser un chien, c'est pas maîtriser un adulte, c'est pas pareil, tu vois, c'est vraiment... C'est plus simple un chien, les gars. Non, pas forcément. Non, mais en gros, tu vas pas prendre le risque de te blesser toi, tu vas pas prendre le risque de blesser un collègue. Les chiens qui ont de la force, si vous êtes trois... Moi, je suis en mode, si on peut encore le sauver, on le sauve, tu vois. Bah, oui, non, mais moi, je pense que là, pour moi, tu prends pas le risque. Tu prends une balle dans la jambe ou un truc comme ça. Mais limite. Mais c'est vrai, tu tires une balle dans le corps et de suite, tu essaies de le sauver. Mais au moins, il fallait lui mettre une tête. Ouais. Ah, du coup, t'aurais pu être sur la chose de changer, les gars, que tu si vous avez fait. Prenez un collage du petit zombie. Ah, mais je peux comprendre. Et honnêtement, je faisais ouais, mon logique, marchant un peu de. Genre, bah, attendez, je vais pas tirer comme ça. Il y a ouais, plein d'étapes avant. Après, ce que je vous dis, ça se passe en très peu de temps. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est ce facteur de là. Frérot, je suis pas là pour réfléchir. C'est pour ça, ça paraissait logique que ça soit comme ça. Et en fait, il part du principe qu'on est des personnes qui peuvent contester les ordres. Ouais, c'est ça. Genre, au bout d'un moment, et vu que gendarmerie, c'est l'armée. C'est pas la police nationale. Peut-être la police nationale, ça se passe différemment. Mais l'armée, contester les ordres, ils se sont dit, vas-y, on va pas lui payer la formation. Ah, ils défendent. Et donc, du coup, ça s'est joué à ça, parce que j'avais fait tout le reste, et ça se trouve, j'aurais go dedans. Et moi, je me connais un métier où c'est jamais la même chose que la veille. Ouais, t'aurais kiffé. J'aurais sûrement kiffé. Après, grosse force à tous ceux qui font ça au quotidien. Les doigts que mais honnêtement, je m'en rappelle encore aujourd'hui, tellement je me suis dit, mais attends, genre. Il fout son on n'utilise pas le cerveau, quoi. Je viens de capter un truc. C'est un truc de fou. Mais toi, tu l'as tout de suite, frère. Bah ouais, mais ouais, parce que j'ai connu beaucoup de gens militaires, beaucoup de gens pompiers et tout. C'est logique, en fait. Okay. En fait, danger, en plus animal, il tue. Il cherche pas, il y a pas de truc, c'est pas lui. Après, t'aimes pas les chiens. T'aimes pas les chiens aussi. J'adore les chiens. Tu vas me mettre quelle étiquette tu vas me foutre, là. J'ai un chien. Les gars, je viens de capter un truc, c'est que... Le lave-vélo. Non, c'est que Gotha est dans la merde. Pourquoi? Parce que la dernière anecdote, elle est forcément à lui. Bah ouais. Non, mais en fait, tu sais quoi? En fait, j'ai pris ça tout à l'heure. Il en a pas. Moi j'avais pas. Non, mais je te l'ai pris. En fait, c'est quoi ce sourire là? On arrête de couper. En vrai, tant mieux d'un autre côté parce qu'en fait, vous allez comprendre. Vous deux, vous allez comprendre très vite pourquoi je suis embêté. Qui nous deux? Toi et Sid. Ok, ah, vas-y, raconte. Il est amoureux? J'ai fait une soirée projet X-like. Ah oui. Ah oui. Bah oui. Ok. Si si, si j'ai. Je vous parlais tout à l'heure. Oui, ok. Si j'ai. Oui, je pense. Et en fait, le truc c'est que du coup, il y a une vidéo que j'ai pas vue. Et ce qui paraît, ça a été raconté par quelqu'un d'autre qui ça a été raconté à cette soirée. C'est possible que ça a été raconté. Et le prêt, bah après, il a fait avec sa version où, pour le coup, normalement, il a dormi tout le long de la soirée. Du coup, oui, il a pas, t'as pas dormi pendant cette soirée. Bah non, moi, j'ai pas dormi, moi. Ah. Bah, bon, raconte en vite fait, parce que en gros, les gars, en gros, c'était une soirée à l'époque où Webedia, on était parti à l'E3, machin, tout ça. Donc, il y avait pas mal de monde. Oh putain, j'ai. Et du coup, on était dans la villa de Justin Bieber, trop bien, tout ça, il y a Gigi, tout ça. C'est Gotha l'anecdote. Bien joué, mon ref. Et du coup, c'était incroyable, expérience de fou, le 3, tout ça, on fait des lives en même temps, c'est le stream, c'est tout ça, c'est trop cool. Barak a plusieurs millions d'euros. Hein. Bah, Justin Bieber, je pense que ça met un petit indicatif aux gens. 20 millions d'euros, ou je sais plus quoi, 8 millions. Non, mais j'ai un peu plus de ça, je pense que c'est 35 millions. C'est comme ça, je crois. Phase après, plus tard. Ah, c'est ton micro, pardon, qui fait du bruit Grim, tu veux te redresser apparemment. C'est toi qui pètes Grim. C'est Grim le péteur, les gars, on a trouvé. Non, Grim. Comment je peux péter? Je bouge pas. Je sais pas, apparemment, ton micro était trop allongé. Mais peut-être ça tape contre un bouton, un oui, truc comme ça. Oui, tu l'as pété. Apparemment, c'est bon. C'est réglé. Ok. Ouais, arrête de bouger. Pardon, vas-y, Gotha. Ok, non, c'est bon. Et du coup, bref, à un moment, du coup, on arrive vers la fin du séjour. C'était incroyable, il y a eu plein de... Et bah, là, on se dit, vas-y, go organiser une soirée. Enfin, on se dit, non, nos supérieurs se disent, go organiser une soirée avec tous les influenceurs d'autres pays. Et du coup, vas-y, on se dit, pourquoi pas, tu vois. Mais tu vois, on a chacun nos chambres là-bas, machin, tout ça. On est bien, on est vraiment à l'aise, il y a des chambres de partout. C'est trop cool. Et du coup, il arrive l'heure de la soirée. Nous, on avait fait une grosse journée, le 3, tout ça. Et je sais pas, vers 20h, 21h, la maison, elle est bondée. Quand je vous dis elle est bondée, il y a peut-être 150 personnes qu'on ne connaît pas, de toutes les générations. Et vous, il y a toutes vos affaires? Dans nos chambres à nous. Ouais, sauf qu'il n'y a pas de verrou. Il n'y a pas de verrou, il n'y a pas de truc à fermer ou quoi. Donc en fait, il y en a qui commencent, on commence à profiter de la soirée, tu vois, on parle avec les gens, tu vois. Il y a des gens qui n'étaient pas dans notre groupe, par exemple, un Mixem, tu vois, qui est passé par là, qui n'était pas dans notre groupe, mais qui est venu à la soirée. Qui n'était pas dans votre. Notre maison de base, il était venu, je sais pas, Ubisoft, toujours, sais rien, tu vois. Et du coup, il y a plein de gens par là. Ubisoft t'invite.
Non mais du coup, c'est Ubisoft qui m'a dit de venir. Ubisoft qui m'a envoyé l'adresse. Non mais du coup, j'en sais rien, mais nous, en fait, on profitait de la soirée. Imaginez, il tombe devant le 3 là. Non mais imaginez, la maison, elle est sur genre 4 étages et la soirée se passe principalement au 4ème étage, sauf que toutes nos chambres sont au 1er étage, tu vois. Donc pour passer à la soirée, nous, on va profiter avec un MXM, avec plein de gens comme ça, etc., qu'on connaît. On est tous en haut, sauf ceux qui dorment, etc. Lucas, il dormait parce qu'il était très fatigué et du coup, il a pas pu profiter comme nous. Pour ceux qui n'avaient pas la truc, il était défoncé à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais il l'a dit, hein. Ah oui, okay. Ah oui, il l'a dit, il l'a raconté. Shit, cool. Non, parce que du coup, j'ai pas vu le. En fait, il l'a expliqué que c'était la première fois. Quoi ? Il tirait un peu, il a tiré une taf et ça l'a explosé. Et... Ouais, non, c'est important pour la suite de l'histoire parce que disons que sa chambre, il va y avoir du. Mais c'est légal à Los Angeles. Et du coup, ouais, c'est une soirée à Los Angeles. En fait, le truc, c'est quand tu fais des soirées là-bas, si la porte est ouverte, il y a des gens, ils passent dans la rue. Vu que c'est des villas que tout le monde connaît, j'ai bien en machin, ils sont en mode, oh, il y a une soirée, ça se trouve, c'est un mec de ouf qui l'organise, go rentrer. Et les gens, ils rentrent normal, banal. On arrive et du coup, nous on fait la soirée tout ça et au bout d'un moment on commence à avoir peur parce qu'on voit vraiment on est bondé, on commence à être serré dans alors que la maison elle est bien quoi, il y a de la place quoi. Pour être bondé, faut vraiment que ça. Ouais voilà c'est ça. Et on commence à voir il y a des trucs trop bizarres, c'est-à-dire qu'on est en haut, il y a 150 personnes, d'un coup il y a un couple qui passe à poil devant nous, tous ils sont en train de c'est en train de tracer devant. Je te jure. Il est où le problème ? Il y a plein de gens qui vont confirmer, des Gigi, des machins, tous ceux qui étaient là. C'était Maxilda. Non mais en fait c'est un couple de personnes qu'on ne connaît pas qui passent à poil devant nous, tu vois. Enfin. C'était des trucs un peu bizarres comme ça. Et du coup, bah, nous, on commence à avoir peur. Donc, chacun retourne dans ses chambres et tout. Nous, on a eu de la chance. On n'a pas eu de. D'un couple nu. Jusque-là, tout. Vraiment des bébés. Mais là, non, là, on n'a pas supporté. C'était nu. Des bébés. J'ai pas payé un manteau du cul hyper perfect. Non, mais Doug, on est là. Regarde, là, on est en train de faire un live. Imagine, là, il y a un couple nu qui passe devant toi. Ouais, non, c'est un happening. Oui. C'est Tata qui arrive. Non, mais totalement nu. À la limite, il y a une chance sur deux, je bande. Non mais toi t'es trop pour le tonton. Mais c'est le tonton. C'est le tonton original. C'est le tonton. Là je redécouvre Doug Bill. C'est génial. Non non. Une chance sur deux que je bande. On retourne dans les chambres. La voix cric. C'est pas capté. Ça dépend de. J'ai pas trop de temps. Tu vois genre en vrai on redescend dans les chambres. Écoute même pas. Écoute. Le tonton. Tu casses le cou le tonton là. Il est meilleur coup en plus. Bref je fais vite. On retourne dans les chambres. En gros bah nous on a de la chance, ça se passe. Gigi s'est fait genre voler ça. Check, ça sauvegarde et tout, il était giga vénère. Il a dit quoi ? Il a dit, il a encore. C'est lui le voleur. Non mais bref, en gros, il y a eu plein de vols dans toutes les chambres. Est-ce qu'il avait des grosses couilles, le mec qui passait ? J'ai ma petite idée sur... Juste, est-ce que tu peux... Non mais en fait, toi, le saké, ça t'a tué. En fait. Ouais, ça... Mais vraiment, tout mettre sur cette gorgée de saké... J'aime trop ce doigt-là, j'aime trop. Ça, c'est le vrai doigt. Le vrai doigt, il est comme ça. J'aime trop. Il y a moins que je dorme à la maison ou pas ce soir. Mais frère, tu dors où tu veux. Pardon, Gotha. Pour revenir sur, du coup, l'initiative, le problème en plus, c'est qu'ils sont pas tombés sur la bonne personne, c'est qu'en fait, ce couple nu, de base, l'essence même, c'est qu'ils viennent d'une chambre en particulier, d'un mec qui était totalement mort, qui dormait dans sa chambre. Lucas, du coup. Exactement. Oh. Et du coup, ce couple-là nu vient d'ici. Le problème vient d'ici. C'est-à-dire qu'il avait des affaires de la copine de Lucas de l'époque, machin, etc. T'sais, ils ont commencé à se rhabiller tout ça. Ils ont totalement volé des trucs dans sa chambre, etc. Ouais, du coup, les flics ont été appelés. Il y a les flics qui sont arrivés. Un hélico en mode GTA 4 étoiles qui est arrivé au-dessus du bâtiment, etc. Mika... Par exemple, parce que Mika était là, qui faisait des vannes en mode ouais, oh putain, c'est trop marrant les flics. Il a failli se faire taser parce que lui, il était dans le délire. Il a failli se faire allumer. Ouais, la chemise. Non, mais tu vois, comme le yinche. Non, mais tu vois, il était en mode blague et tout, mais en fait là, ça rigolait plus du tout. Et vraiment, c'était vraiment parti vraiment en couille de fou, tu vois. Genre, ah ouais, et tout le monde est sorti de la maison, 150 personnes. Il y en a, ils ont disparu. On est passé de 150 personnes à. 3. Ouais, voilà, les concernés. Il restait le stream. Le stream, 3 pélos, Logan Paul qui faisait un vlog dehors et. Comment je détesterais des inconnus dans ma chambre quand je veux dormir. Non, mais Lucas, je crois qu'il s'est réveillé à ce moment-là et il y a eu confrontation et tout. Enfin, oui, il y avait des gens à poil dans sa chambre. C'était. Et du coup, il y a plein d'affaires qui ont été volées, machin, etc. Et du coup, depuis. La relation avec Quebedia, elle a eu un peu plus de mal à ce moment-là. Je pense au tout début, ça a pas aidé quoi. Mais. Gotha, je te laisse pas le choix. Ah, mais je crois que tu. Dis un nom maintenant de quelqu'un parmi nous. Dulcy. Ok. Non, tu vas prendre le cadeau ans, que tu offres à quelqu'un. C'est récent quand même. C'est moi qui dois l'offrir. Tu vas offrir ton cadeau. Vous êtes un peu tassé quand même. Les gars, dans le chat, attendez, un truc très important. Superstar en fait. Ah putain, t'es trop. Dans le chat, très important, vous avez aussi avoir des cadeaux. Vous faites point d'exclamation jamais trop. On va sélectionner 5 personnes qui vont avoir des cadeaux. Mais vous aussi, c'est Secret Santa. Vous allez pas savoir ce que vous allez gagner. Du coup, tu prends le tien ou tu suis sûr ? Non, celui qui doit donner. Je prends celui que je dois offrir à qui ? Donc, point d'exclamation jamais trop. Vous allez pouvoir gagner un cadeau. Ça dure 2 minutes. Après, ça sert plus à rien de spam. Il y aura 5 cadeaux pour vous dans le chat. Bonne chance. Elian, mon frérot. Oh, c'est pour Elian.
Oh. Et là, je me suis pas foutu de ta gueule, tu verras. Je prends ta place. Allez, remercie pour cette année. Ouais, comme ça, ça me parle jamais trop. La vie de ma mère. T'es les fruits et légumes ? Joyeux Noël. Mais je te jure, frère. Frère, je suis pas ouf foot là. Si tu veux les gars. Tiens, regarde, attends, vas-y. Ah, mais du coup, c'est pour ça qu'il y avait des fruits et des légumes en fait. Mais oui, mon pote. Okay. Mais oui, mon gars. Quoi ? Frère, c'est un vrai truc là ? C'est un vrai cadeau. Ça, t'as vraiment fait un vrai cadeau. Arrête, tu te fous, frère, la vie de ma mère, tu sais quoi fous. Non, non, je veux faire rien. Père de pompe. Non. Ouf. Il a fait un vrai cadeau, genre bien. Les gars. Mais moi, je dis, frère. La vie de ma mère, je vous dis, je suis pas bien. Même menace, même. Mais attends, non, mais frère, c'est chiant. Pour la fin, regarde, pour la fin. Non, c'est un blessé, frère, tu trolles. Non, non, ouais. Mais gros, mais moi, j'ai pas fait un vrai cadeau. Je balance direct, moi, c'est un truc cheap. Mais moi aussi. Mais moi aussi. Moi, non. Mais tu sais que. Gros, même menace, il m'a dit, frère, t'es sûr. Mais tu sais que si tu trolles, je t'aimerais quand même. Mais frérot, je ne troll pas. Vraiment, mais c'est gars, un cadeau gars, sincère. Rien que la boîte, même s'il troll, c'est plus cher qu'on la trouve. La boîte, quoi. Est trop belle. Ouais. Mais vraiment, ça, je peux ranger des câbles de caméra, des cartes SD et tout. Ouh, oui, voilà, tu pourras faire ça. Pourquoi il est pas tombé sur mon nom. Je te jure, pourquoi c'est pas ma mère. C'est un cadeau. T'as écrit un truc ou pas? Ou faut que j'ouvre ça ou pas? Oh non, non, y'a rien. Ça, c'est pas une bombe. C'est quand tu commandes les trucs, ça arrive comme ça. Chaussures? Ouais, votre avis, c'est quoi? Chaussures? C'est ses anciennes chaussures. Ah, le bâtard. C'est des anciennes chaussures. C'est drôle. Elles sont grave neuves. Les gars, c'est sa troisième paire. C'est la troisième paire qu'il a comme ça. C'est la troisième paire qu'Elion a comme ça. Pour ceux qui n'ont pas vu encore la vidéo. C'est la troisième paire pour de vrai. T'en as plein comme ça, t'en as plein. Ah, je suis mort. En vrai, c'est fou, t'as trois paires comme ça, frère. Elles sont vraiment neuves. Elles sont full neuves, là. Elles sont nickel. Celles-là, je les mets, je les mettrai, du coup. Elion, frérot, c'est à toi d'offrir ton cadeau. À qui tu devais offrir, déjà? Bah attends, on va le découvrir là, non? Moi je suis presque un gros pull élevé, j'étais en mode. Ah ouais, non, c'est pas un respect. Ah ouais, là, il a fait fort là. Non, là, il nous a tué. À qui tu devais offrir, mon gars? Mon gars, c'est fille. C'est ce putain, gros wow. Bonbon là. Ouais. Y'a pas c'est quoi ce cadeau de con là? Je pense déjà ça changera l'année dernière pour le cadeau de Grim qui était à chier. En vrai, ouais, ça changera. T'es mal le cadeau de Grim, s'il te plaît, comme il est mal emballé, y'a rien. C'est rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Frère, c'est classique. C'est grave mignon. Attends, tu l'as fait à la main? Elian, c'est toi qui as fait ça? J'ai fait main. Ouais, c'est fait main. Non, jamais la vie, il l'a fait. C'est fait main, Lidl. C'est fait main, c'est fait main. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Tu es allé avec lui? Tout est fait main. Pour aller faire. Ah, c'est un piata. C'est un piata. C'est un piata. Par contre, premier degré, j'ai voulu te faire plaisir. Est-ce qu'il faut que je l'encule? Non, t'es pas obligé. Non, s'il te plaît. Ah non, ok. Encule pas. Ah, il y a un câble USB, ok. Oui, voilà, c'est pour ça. Arrache tout derrière. Tu manges les bonbons qu'il y a dedans et tu verras le cadeau. Oh. C'est quoi? Il y a un câble USB. Arrache-toi. Mais il a fait un vrai cadeau. Ah, faut que arrache-toi. Si tu veux, les bonbons ils sont bons, je crois. Il a raté sa bouche. Ouais. C'est drôle, le docteur. Doc Bilo, mais tu peux toucher, quoi. Mais m'a dit encule-le. Hein? Tu m'as dit encule-le? Ouais, vas-y, ouais, tu l'encules. Non. Oh! Non, c'est génial! Waouh! C'est trop bien! C'est sympa! C'est un vrai cadeau, frère! Mais il a fait un vrai cadeau! Mais moi, mon cadeau, il est à chier quand même! C'est génial! En plus, il m'a offert des bonbons! Ah ouais, c'est une Game Boy! Tu vois les bonbons, frère? Dedans, il y a. S'il te plaît, un bonbon! Mais attends, mais moi, rien qu'un mec qui m'offre des bonbons, je m'arrête! C'est incroyable! Les bonbons, c'est une trop bonne idée! Mais frérot, alors, il y a. Enfin, c'est même pas, je crois, je sais, il y a 1500 jeux dedans! Mais c'est de la frappe! Et tu peux jouer sur des jeux de PlayStation 1, GameCube. Game Boy Advance et tout. Et bien, je trouve qu'on serait vraiment deux. Ah ouais. En vrai, on devrait faire des projets ensemble. Mais ouais. Ah ouais, tu joues à Fortnite un peu. Je joue à Apex moi, mais je joue à Apex. Non, c'est Fortnite, dis Fortnite. Non, mais je joue à Apex aussi. C'est quand on va commencer à. Attends, on veut créer des liens. Je joue aussi à Fortnite et Apex. La famille. Ouais. Le tirage au sort est fini. Ça sert plus à rien de spammer. C'est fini. On a sélectionné 5 personnes. Vous serez contacté, mais ça sert plus à rien de spammer le gars. Mais t'as l'enfono. Frérot, y'a GTA. En fait, je te le dis honnêtement. Y'a GTA. Je te le dis honnêtement. GTA, ah ouais, t'as le premier GTA et tout. Je te dis honnêtement, je voulais faire un cadeau gaz et tout. Et après, je me suis dit, putain, mais j'ai ça chez moi, je l'utilise pas et j'y tiens. Ah, mais ok, tu peux m'acheter. Ah, mais voilà. Ah, t'as tout niqué. J'ai la merde. Ça dure quoi? C'est parce que, je vais racheter une autre. Ça vais racheter une autre pour moi mieux. Il va s'acheter le meilleur. T'as chien de merde. Non, mais ça tue, frérot, merci beaucoup. En vrai, elle est bien. En vrai, t'as gâché. Je préfère la fausse boîte, tu vis tout. Franchement, les bonbons, ils sont chambés. Par contre, envoie les bonbons un peu. Les bonbons, pareil. Il les voulait plus. Et les bonbons, oui. Date un peu, mais vas-y. Le problème, la team, c'est que maintenant, quelqu'un va recevoir la vieille merde. Regarde. Oh merci. La vieille mère de ses filles. J'ai très très peur. Ah, franchement, non, c'est un réglisse. Je dirais pas que c'est une vieille merde. Ah, c'est encore un réglisse. Ça, mais t'es chiant, t'es chiant. Merci. Non, mais tu je règle juste mes comptes par rapport à l'année dernière. Ok.
Oui. Non, 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 s'il te plaît. L'année dernière, un gros connard qui m'a offert une canette écrasée. Non, ils sont bons. Je me demande c'est qui. T'es pas une canette écrasée, frère. Un chewing-gum et une canette. Déjà mâchouillé, sale chien, va. Tu t'en vas dans la vie ? Ah oui, c'est vrai. Oui. Oh, la vengeance. Oui. Oui, c'est vrai. Frérot, il avait mâchouillé un chewing-gum. Et une canette. Il avait pressé une canette, il m'a dit, tiens, c'est ton cadeau, sale chien. Oui. C'est vrai. Oh putain, t'as... Putain, le karma que tu t'es mangé. C'était à l'image du donateur. Un an après. Mais je rigole, il m'a donné un sac poubelle. Vraiment, je t'ai fait deux après, cadeaux. Après, il est bien fait. Alors, attends, non, non, si je peux me permettre. Ses filles ne sait pas faire les lacets ni les nœuds. Là, il s'est donné pour toi. Oui. Vraiment, il s'est attends, donné attends, de fou. Je crois que tu fais bien attention à l'ouvrir dans le bon sens. Ah, tu penses? C'est de la merde. Non, franchement, non. Non, j'attends. Ah, vas-y. Il est bien. Caca de chien, agenda de poche. En vrai, c'est... Non, par contre, c'est que j'ai vraiment besoin d'un agenda en plus. Bah, bon. Non, mais je vais le garder, en fait. Merci. Enfin, il y a un autre truc. Vraiment, rien que ça, c'est super. Hein. Quoi? C'est de l'argent dans une bourse. T'inquiète, frérot, ouvre. Il a donné beaucoup à personne, frérot. Regarde pas, ouvre et vide tout. Ah, vide sur lui, comme ça. Ouais, vide tout sur toi. Ouais, ouais. Important de fou. Oh. 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 Ah, mais il est encore frais. C'est mon cadeau, le geste. Ah. Il est... Attends, les vieilles merdes. Ah, mais parfait. Non, mais attends, mais c'est vraiment. Ah, ouais. Non, c'est vrai. Attends, non, d'accord. Non, c'est trop dégueulasse. Regarde. Arrêtez de me. Je t'ai pris cadeau, vous êtes où? Frérot. Eh, les gars, je suis. Ah, je suis qui? Je suis qui? En vrai, merci. En vrai, merci. En vrai, merci. C'est stylé. Non, mais je suis sûr, ça va prendre. Mais l'agenda, je vais le garder. Je vais vraiment l'utiliser. Et le caca, en vrai. Oh non. Ça te rappelle quoi? Ça c'est mon anecdote là. C'est mon histoire ça. C'est très bien bon. Ça. Donc c'était comme ça. Grim. Doc, je me rends ma mère. Si, Doc, je peux me rendre ma mère s'il te plaît. Mais tu récupères vraiment les caca là? T'as eu quoi? Ouais. Oh. Oula. Pourquoi bizarrement tu me l'as mis sur moi? Grim, c'est à toi d'offrir. Et c'est à... On va voir à qui appartient ce cadeau. Dis-moi horrible. Effrayant. Celui-là, je vais le chercher. Attends. Attends, du coup, bon, je mets où ça? Ouais, il est emballé avec le cul, hein. Mais garde le caca. Non, mais je vais pas le garder sur ma poche. Par contre, je suis choqué des bonbons, ils sont vraiment bons. Ouais, les bonbons, ils sont bons. Je suis choqué, vraiment. Bon, tiens, Manas. Après, à la base. C'était pas pour Manas, du coup. C'est pour Léna. J'avais tiré Léna. Okay. Mais quand on l'a pas pu, du coup, c'est tombé sur toi. Ok. Voilà. Du coup, t'as changé. Non, je n'ai pas eu le temps de changer. Attends, en vrai, t'as un cadeau. Donc là, t'es en train. Il y a plein de trucs. Il y a un nom qui est stylé. Il est en train d'ouvrir le cadeau de Léna. T'as le meilleur bas. Déjà, tu voulais ouvrir ça, Léna. Déjà, suceur, déjà. Je te le dis de base. Suceur de ouf. Non, mais en vrai, regarde. Parce que c'est fini. Il est bien, mais c'est sûr. Il voulait trop découvrir. C'est bien, justement. Mais tu sais que la tête de ma mère, que ça, c'est trop bien. Mais ça, c'est génial. Ça, c'est trop bien. Je vais l'offrir à mes neveux. J'ai pas besoin de faire de cadeaux. Donne-moi le T-Rex. Non, mais attends, continue. On va parler après. Donne-moi le T-Rex. Tu veux t'en aller? Mais continue. Tu l'as fait récupérer. Il y a encore un gros suceur. Mais mec, il y a plein de trucs, frère. Grim, t'es un suceur de fou. Mec. Ouais. Mais frère, c'est trop... Pour la rentrée, quand je vais trop mais bien. Mais c'est ruiné là. Mais frère, t'as vu quand c'était ses filles comme il a donné un chewing-gum? Mais c'est fou. Mais non, mais oui. Mais attends, regarde, c'est pas direct. Attends, mais y'a plein de trucs, mec. Ah, oh, donne-moi un dino, s'il te plaît. Tu veux un dino? Mais cadeau, les gars. Non, on te le rend, je veux juste. Mais regarde, mais cadeau là. C'est ça. Envoie-moi ça. Oh, il est fou, tiens. Rentre le vélo. Écoute, ça, je suis refait. Oh, il est le café de matin. Là, derrière. Ça, je le garde ouf. C'est trop refait. Yes. Attends, c'est la première. Regarde comme il tue. Je fais un combat. Tiens, c'est ton fou. T'as volé mon. Mais gros, tous les cadeaux que t'as, regarde tout ce qu'il a offert ce chien, je suis choqué. On dirait, en vrai, je suis une Instagrammeuse. T'as peur, là. Gros. Il m'a dit que toi. Mais pas gaffe aux étiquettes. Je suis choqué. T'avais un plan en tête. Mais ouais. Quoi? T'es vraiment sous ça. T'es vraiment sous ça. Parce que toi, on m'a dit mon cadeau était éteint. Il y avait exactement tout ça dans la boîte. Ok. Merci beaucoup. Non, il a volé le diplôme de cuche. Il a volé le diplôme de cuche. Merci, mon frère. Ses filles a eu un chewing-gum mâché. Toi, t'as eu tout ça. Tiens. Bravo, très beau. Merci. Cadeau par contre. Oui, c'est très beau. Ah ouais, bravo. Ça va. Alors, Manas. Un peu suceur, on sait ce que ces filles a eu l'année dernière, mais cool. Voilà, suceur quand on connaît la vérité, mais. J'ai merdé, hop là, je revenais avec un beau cadeau. Oui. Manas, mais non, c'était pas pour à moi. À toi non, de non, ça non. À mon tour. À qui tu offres, Manas? J'offre au Goat. Aga. Ah, c'est fort. On rappelle que Goat Aga a dit je veux pas Manas. Imaginez, c'est Léna qui allait m'offrir une maison et tout. Ah putain. Tout qu'on sait que Léna elle est généreuse quoi. Est-ce que t'as été conseillé par papa? J'ai été conseillé par moi et moi-même. Par qui d'accord on a demandé? Papa.
Papa ? Papa a payé par contre. Ah, okay. Ça c'est bon signe ça. Wesh. Non, là c'est. Là par contre, Dogville. Non, je suis en train de Dogville, t'as fait de la. Là t'as fait de la dog merde. On sait que c'est toi. T'as fait de la. T'as fait de la dog merde. La team, vous pouvez libérer le chat. Il est en abonné parce qu'il y avait le concours, mais là le concours est fini. Vous pouvez enlever. C'est quoi ça ? T'as la petite ref ? Bah c'est nous, tu vois, les gars, il y a une confrontation sur Mario Kart. Mais pas que, regarde. Pas que. C'est trop mignon. Et les 400. Non, j'aime bien parce que c'est vraiment personnel. Non, mais c'est vraiment personnel. Ça, c'est sympa. Mais non, t'aurais tellement pu en profiter pour rendre la thune que tu devais. Tu te rappelles ou pas? Je jouais qui? Il jouait ce truc. Mais après, je te voyais pas beaucoup sur le. Même quand t'es gentil avec lui. Même quand tu le mets bien, il. Mais ouais, il en fait. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Heureusement que je l'ai volé. Voilà. Quoi? Ah ouais! Voilà! Ah, en vrai, les gars! Tournage, non, en vrai, les gars, il joue Todd, il s'est fait détruire. Hein, mais, c'est vrai. Mais en vrai, tu sais quoi, je vais la mettre dans mon. Oh, je vais la mettre dans mon décor. Mais ça fait super plaisir. Je pense à toi. Non, merci. Franchement, c'est un beau cadeau. Bravo. Oui, très bien. Bon, pour le moment, c'est qui le meilleur cadeau, les gars? Pour le moment, c'est qui? Suceur. Suceur. Gotaga! À qui tu offres? Simplement le rembourser. Tu l'as pas remboursé, Manas? Un billet de 50 balles, tu le rembourses. Mais les gars, vous croyez que j'ai. Plein d'argent sur WAM. T'as acheté tout ça aujourd'hui quand même. Ouais, moi je sais quoi. Quand même. Non, mon cadeau c'est pour toi très cher. Du prêt. Oh, let's go. Putain, il m'a pas. Le mât. Putain. Non. Si c'est, si c'est juste toi qui as fait un autographe, ça casse. Le French, il m'a déjà vendu un autographe. Vendu. Ah, putain. Tu lui as vendu un autographe. Il m'a vendu un autographe. 34 euros. 34 euros. J'ai des concurrents. Des concurrents qui font ça à 37. Donc, les gars, c'est moi qui suis sur le marché. Qu'est-ce que c'est? Attends, mais tu avais dit ton cadeau il est gaz et tout. Du coup, c'est à moi. Je suis dégoûté là. Ah ouais. Non, c'est juste dit que. Enculé. C'est génial en vrai. Une Smartbox Gentleman. Non, attends, ouvre quand même, faut que tu vois un peu. Ouais, bien sûr, je vais voir ce qu'il y a dedans. Bah non, mais moi je suis un pote et tout, tiens, je pense à toi. Bah ouais, frère, en vrai, une carte cadeau à valoir sur la boutique en ligne de l'équipe, ouais, franchement, ça fait plaisir. Non, en plus, j'attends mon maillot que tu devais m'offrir depuis longtemps, donc ça fait plaisir de le payer. Le maillot, on attend de fou là. Mais c'est combien d'euros? Quoi? Attends quoi? Non, tu ma gueule. Bah non, frérot. Attends, mais regarde recto verso et tout, faut vraiment que tu. Non, mais c'est vrai ou pas? Quoi? Bah, frérot, bien sûr. Les gars, un stage de F4. Mais quoi? Non! Oh, c'est pour réussir à finir une course! Tu vas enfin réussir à le faire! Et en plus, j'ai pensé à toi, je me suis dit, soit tu fais un duo, soit tu vas avec Sid, j'ai pensé à Manon, avec qui tu pourrais peut-être. C'est vrai je sais pas, faire des. Ouais. Non, mais plein de coéquipiers. Non, mais c'est vrai, il a raison! Non, mais il a raison, ça serait génial! Non, mais du coup, ça peut être Sid, ça peut être. Attends, ça peut être Billy! Ça peut être Billy! Il a des deux couilles, fou! Là, mais là. Celle de. Non, là, t'es très chaud! Non, il est chaud! Attends, par contre, premier degré, il y a vraiment ça? Tu me trolles ou c'est vrai? Non, je crois que t'as vraiment. En vrai, on peut vraiment si tu veux. Mais... Ok, il a pas acheté du tout de stage d'F4. C'est purement une mise en scène. C'est purement une mise en scène. Bah, en vrai, c'est Photoshop un peu. Mais en vrai, on peut quand même. Va te faire enculer, va te faire enculer. Les gars, c'est trop bien trouvé. Très bien trouvé. C'est trop bien trouvé. Frère, t'es fort. Il est fort. La vie de ma mère, par contre, je te jure que si tu veux vraiment faire un truc. On se fait à deux tous les deux. Ah, jure, on le fait. Ouais. Tu vas jamais le faire. Il est trop fort. Bravo. GG. C'est incroyable, bravo. Tu l'as acheté quand même très vite dedans. C'est incroyable. Ouais, la team, c'est à moi de faire le cadeau. C'est un cadeau quand même, on a mis du temps dedans. Ah ouais. Bien sûr, t'es un fou quoi. C'est un stade de 4 quand même, hein, c'est pas. Mais mon maillot gentleman, du coup, parce que tu devais vraiment me donner le maillot. Mais après, c'est plus des combis qu'on met pour Life 4. D'accord. Oh, une combi gentleman, c'est comme le maillot rose qui est revenu. Ça, c'est sympa, ça, tu vois. Ah, c'est sympa, Max, ouais. Max, tu mets plus le maillot. Tu sais quoi, non, par contre, Maxime, premier degré, je t'enverrai un maillot. Parce que tu m'as envoyé un maillot de ta structure Apex. Oui, c'est vrai, j'avais envoyé le maillot de Zizi Sport. Zizi Sport, oui. Et et parce que Gotham est signé dans ma structure. Ouais. Dogville, c'est à toi. Oh, let's go. Mais je suis un peu déçu parce que quelqu'un a offert quelque chose de similaire. Ah ouais. Évite de spoiler de suite. T'as pas eu encore sinon. Quelqu'un a offert quelque chose de similaire. Mais voilà, Dogville, c'est fait avec le cœur, c'est tes passions. J'ai voulu faire quelque chose de très personnalisé pour toi. C'est ça. Attention, la team, on vous entend. Attention. Personnalisé, on vous entend parler. Mais on l'a offert à quelqu'un d'autre. Comment c'est possible? Ouais. Je me suis dit ça va te plaire et ça va être génial. Donc parce que tu... Non. 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 C'est la même chose. Attends. Est-ce que c'est ça là? Je veux faire la même chose. Oh non. Attends, non mais vous prenez vraiment le décor de Zen en fait. Non mais arrête. Oh, putain, ça, regarde la toi vous. Je peux enlever le prix mais...
C'est la Minecraft. La Fortnite. Attends, tu parles les bonbons. Parce que tu aimes bien Fortnite. Parce que t'aimes bien Fortnite. C'est parce que t'aimes bien Fortnite. Mais il y a autre chose, hein. Oui, je vous le dis. Il y a une autre masterclass, et ça, je pense que tu vas kiffer. Blague de geek. Ouais. 365 blagues de geek. Ouais, et je me suis fixé à 364 en vrai. On s'en fait, ouais, on va se faire une petite centaine là pour le live. Je sais pas si ça peut vous plaire. Cinq, c'est bien en vrai. Je suis terrorisé de ce qu'on va dire. Moi, je vais partir. Moi aussi, je dois y aller, les gars. Peut-être qu'on les fera plus tard. Merci beaucoup. Tu vas partir sur ton live. C'est vrai. Hop. Oh, elle est longue. Il est parti de son live. Hop là. Ça fait trois fois qu'il sort. Vous êtes un geek si vous ne dites pas je t'ai bien eu, mais. Ou Ned. En vrai, c'est fort. Ou Ned. Je me casse, je peux pas. C'est trop. Ouais. Un geek ne meurt pas. Il respawn. Et voilà. Moi, je suis content. Moi, je suis content. Là, c'est très honteux qu'on ait répondu aussi rapidement. Mais c'est très grave. Non, par contre, c'est vrai. Vous êtes des geeks, hein. Le chat adore, le chat est mort de rire. Le chat est en mode, la dinguerie, les vannes de fou. Ton téléphone, c'est pour moi. Touche up. Gotha, je suis sûr qu'on les a toutes. Ah, là, c'est une question. C'est une question. Celle-là, elle était nulle aussi. Oh, Ned. Que crie un geek en train de se noyer? Ah ah. Mes doigts de boule. Je suis AFK. Attends. En train de se noyer? Water cooling. Oh, voilà, voilà. Ah, vas-y, dis la réponse. Limite, elle est mieux. Mais oui, j'avoue, water cooling, c'est trop bien. C'est des buets. Parce que là, c'est F1. C'est quoi F1? Bah, F1, mais je comprends pas. F1, t'as fini à ta vue, c'est pas ce qu'il y a dedans. Non, je peux pas l'ouvrir. Ah, tu veux pas? Bah, limite, elle est plus belle comme ça pour être dans le décor. J'avoue, parce que je pense que ce qu'il y a dedans, c'est de la merde. C'est des bonbons, sûrement. Attends, ce coup? Il y a des bonbons. Les gars, premier degré, vous êtes pas, vous êtes pas conseillé? Non, vous êtes pas. Mais non, pas du tout. Ah ouais, je jure que non. Ouf, vous avez le même cerveau. Je l'ai acheté hier, tu l'as acheté quand toi? Moitié caca. Hier Je l'ai acheté il y a 2 heures. Ah oui, ok, d'accord, donc on s'est vraiment pas concerté quoi. C'est fou ça. Par contre, c'est abusé qu'on ait pris. C'est pareil les deux là. Casse pas les pieds. Je suis choqué. Ouais, non, je garde intact, ça devrait. Garde intact. C'est beaucoup mieux l'emballage. Moi, le bonbon là. Ouais. Argenté. Ouais, il est minuscule ton cadeau. Ouais. Il manque pas de cadeau. Putain, la merde qui doit avoir un petit cadeau là. J'imagine que c'est moi. J'imagine que c'est moi. C'est même pas le gars. Moi, je suis venu sans emballage. Mais qui ont fait ça? Quoi ça? Bah, il reste encore deux. Il reste deux personnes là, attends. Mais si, t'as pas ouvert? J'ai pas eu de cadeau moi. DC, ah bah. C'est dommage. Ah bah voilà. Hein? DC, j'aurais aimé tomber sur toi, mais j'ai eu ma gla. Ah, je me disais, c'est DC, on est emmerdé parce qu'il a déjà fait. Attends. Oui. Mais j'ai eu ma gla. Ma gla, sache que ce cadeau, tu vois, ici, il y a énormément de biens matériels. Mm-hmm. Mais je trouvais qu'un bien matériel pour toi, ça n'était pas assez. Il n'y a pas eu le temps d'acheter un truc. C'est un saucisson. J'ai décidé de t'offrir quelque chose qui défendra ce que tu as de plus grande valeur. Surtout quand je vois que bah, c'est ça qui te défend le reste du temps. Non. Voilà Magla, tu seras mieux placé. C'est l'étape au-dessus. Tu vas tout passer là. Ah ouais, attends, c'est une étape au-dessus de ce que tu m'as offert la dernière fois. Avec ceci, tu craindras encore moins les dangers de la vie. Elle là, il n'a rien acheté. Fume le fruit. C'est du réel. Non, non, je jure que non. Non, je reconnais, c'est du réel. Mais il a acheté une bombe lacrymo, il est malade, ce mec! Non, mais les frères, moi je mets ça 10 subs. Parce que. Ah, il va falloir mettre beaucoup plus, les gars. Mais les gars, on peut pas faire du sel. Rien n'est plus important que la vie de Magla. Vas-y, c'est gentil, merci. Ça va niquer la fin du live si on le fait vraiment. Et ben on le fait à la toute fin. Ok. Mais qui va prendre? Bah, Max, c'est bon, c'est ta chaîne. No joke, je pense que c'est dangereux. Mais après. Je pense aussi. En vrai, je pense que dans l'air. Attends, attends. Donc on le fait. Non, on va ruiner. Même l'équipe qui va venir débarrasser le truc et tout. Tu sais que ça fait vomir et tout ça. Ouais, c'est horrible. Du coup, c'est une arme. Merci, Dwight. Grâce à toi, j'ai une alarme et une bombe lacrymo. Non, mais on s'en compte là de Dwight qui a offert une arme à quelqu'un. J'ai le droit, elle fait la taille de la paume de la main. Totalement, c'est légal. Voilà, c'est bon. Par contre, on l'a dit, apparemment, ça peut niquer vraiment tous les techs derrière et tout. Faut pas le faire. On va pas le faire. Le format est légal. Tu veux vraiment ma sécurité? La dernière fois, on s'est vu, il m'a offert une alarme. T'as un tatouage, toi? Bah écoute, je sais que Magla fait un métier difficile dans lequel on peut être en danger, donc je souhaite apporter une sécurité supplémentaire, sachant que je ne la sens pas assez protégée. Voilà. J'envoie des messages subliminaux par la même occasion. Magla, il reste un cadeau. Et bah, je me demande pour qui c'est. Je me demande pour qui c'est aussi. On se demande, dis donc. Waouh. Hop là. Bah, c'est pour moi. Je commençais à être vexé un peu là. Mais gars, non, faut pas. Un peu bizarre que t'aies pas de cadeau, du coup. C'est chelou. Merci Magla. Et oui, Max.
Allez, du frisson. Il m'a fait peur. J'ai mis tout le temps de vous. Avant toute chose, je tiens à dire que comme on est la télé, j'ai fait un cadeau en fonction de ça. Oh, la télé ? Ouais, j'ai fait un cadeau en fonction de Maxime et de la télé. Ah ! Et j'ai voulu t'offrir quelque chose qui te rappelle Maxime. Il y a Arthur dans la boîte. Ok, très bonne idée. C'est... Ah putain, je sais c'est quoi. C'est vrai que je me j'ai pas souvent Maxime. Ça va être un jeu vendredi, tout est permis. Non. J'ai pas assez Maxime dans ma vie pour penser à lui sur. C'est vrai qu'on se voit jamais donc. Le jeu TPMP. Premier dog, j'ai trop envie de voir ce que mes petites beautés, on va se régaler. On s'est pas fait pour ça. Merci. Avec grand plaisir. Si j'annonce ça, ouais, si j'annonce ça, j'adore en plus TPMP. J'adore. Je suis mort. Je pense 250 000 viewers. La grande avec Baba qui arrive. La grande Rasca. La grande Rasca. La grande Rasca. La grande Rasca. La grande Rasca maintenant. Très curieux du jeu à l'intérieur. En fait, j'ai envie de voir c'est quoi le jeu. C'est quoi le concept? Mais c'est marqué quoi dessus? Parce que t'es c'est marqué le coup. Jeu touche pas à mon poste. C'est vraiment le jeu touche pas à mon poste. C'est la grande régalade avec Baba et sa bande. A votre avis, quelle est l'implication de Baba dans ce jeu? C'est incroyable, c'est ça. Putain, mais ils ont fait du merch de leur émission et tout quoi. Ils ont fait des produits dérivés de eux. Merch de merde. Ce qu'on veut en termes de stats, ça détruit tout. Ah, mais ça bousille tout en vrai. Forcément, ils vont. Ah, bah oui, bien sûr. Frérot, ils ont fait des produits dérivés de eux. Attends, mais c'est un jeu de plateau. Frérot, c'est un jeu de plateau. On a Gilles Verdez et tout. Tu peux choisir quel mec tu joues. Il y a une case d'Arkham. Il y a une case Rasra, une case tu sors. Il y a une case tu sors. Tu sors, il y a une case tu sors. Regarde. Est-ce qu'on est pas en train de faire une OP déguisée là? Ouais, j'avoue. Putain, j'avoue. Surtout à Cyril Hanouna. Merci vite en fait, c'est incroyable. J'avoue, on a pas envie de leur donner d'argent. Il y a des cases en interrogation Rasra. Rasra. Tu ne voyais pas quand tu sais que t'avais Gilles Verdez? Oui. Rasra. Il y a vraiment les persos de TPMP. Mais oui, t'en montres. C'est un bordel. C'est incroyable. C'est trop bien. C'est n'importe quoi. Attends, c'est quelle époque? C'est genre Enora ou époque... Kelou Vidovelli, Valérie Benaïm. Benjamin Cassin, c'est actuellement, non? Non, parce que je vois Maureen Dibos, elle a arrêté en 2019, le 27 février. Remplacée justement par Léana. Ah oui, le 3, avant d'être elle remplacée. Non, je rigole. Putain, c'est que j'entends, en fait. Il est trop fort. Non, c'est un beau casting. Mais c'est vraiment une bonne grosse phrase. J'ai une mauvaise nouvelle. Tu t'amuseras avec. Je vais me régaler. C'est la fin. C'est la fin du live. Oui, c'est la fin du live. Mais avant ça, Non. Je voulais vous remercier tous déjà, je regarde ici, je voulais vous remercier déjà tous d'avoir pris part à ce live qui me tenait à cœur, j'avais envie qu'on fasse ça tous ensemble, merci pour ça, merci au chef Sanchez qui nous a régalé. Sanchez Merci aux fruits et légumes frais, merci beaucoup. Manger des légumes, ça c'est incroyable comme OP quand même, des OP pour les légumes. Ouais, en vrai c'est pas mal. Manger des légumes, ça régale. Faites pas comme moi, si j'ai mangé de la betterave, j'ai fait des efforts. Oui, bravo. J'ai mangé du panais et du je sais plus c'était quoi, c'était pas du panais. C'était pas du panais, c'était pas de l'asperge. Topinambour. C'était pas de l'asperge. Et un autre truc, je sais plus. T'as mangé de la bûche, c'est excellent. J'ai mangé de la bûche qui était excellente. Merci à tous, mais comme l'année dernière, je voudrais pas qu'on se quitte comme ça, on va se quitter. En musique l'année dernière, la boucle est bouclée l'année dernière, on chantait guerrier avec une chorale. Ouais. Cette année, bah, j'aimerais qu'on se retrouve tous là-bas et voilà. Et qu'on... Et merci Max pour l'invite. Merci. All I want for Christmas is you, baby. All I want for Christmas is you. Merci à tous, merci d'avoir suivi, on se retrouve l'année prochaine pour plein d'autres lives, plein de projets, merci à toute l'équipe.